Tenez, assez. Bonsoir à tous. On va attendre encore quelques instants que les dernières personnes s'installent. Donc, merci à tous d'être ici ce soir pour ce débat un peu particulier, comme vous le savez, en l'absence de Bernard Stiegler. Ce débat qui a failli ne pas être, mais grâce à la force de l'organisation du festival et des intervenants ici ce soir, on va pouvoir avoir la chance de discuter tous ensemble autour des sujets qu'il avait à cœur. Mais avant de prendre la parole, je vais tout de suite directement laisser Maël Monteville introduire avec ses mots ce débat. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'Université Domaine du Possible et le Festival Agir pour le Vivant de nous avoir accueillis, d'abord pour une résidence où nous avons travaillé sur l'informatique théorique et les relations entre générations pendant 3 jours, et je vais expliquer pourquoi on a fait ce travail, et puis bien sûr pour cette table ronde ce soir. Comme vous le savez sans doute, Bernard Stiegler devait animer cette soirée. Apprenant son décès, nous avons collectivement désiré maintenir le travail prévu et ce débat, car cela est très certainement ce qu'il aurait souhaité. D'autant plus qu'il avait une perception aiguë de l'hypercrise que nous traversons. Comme l'a écrit Nietzsche, il faudrait que la mort devienne, pour les vivants, un aiguillon et une promesse. Ici, la promesse est d'abord celle de travailler, notamment sur les questions dont nous allons discuter ce soir. Alors, quelles sont ces questions? Peut-être d'abord, je peux expliquer un peu le titre. Épistémologie de la catastrophe. Qu'est-ce que veut dire épistémologie? Catastrophe, je pense que tout le monde connaît. Épistémologie, c'est tout simplement l'étude des savoirs. Pourquoi les savoirs sont au cœur du problème? Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer. Et pourquoi ils conduisent à la question de l'informatique théorique. Donc, pour comprendre cette question, il faut un petit peu de recul. Commençons par le vivant. Et commençons par soulever un aspect fondamental du vivant. Lewontin, un biologiste américain, souligne que la lutte pour la vie chez Darwin n'est pas que la compétition entre les membres d'une espèce, elle est d'abord la lutte, par exemple, d'une plante contre le désert et contre la sécheresse. En physique contemporaine, après Schrödinger, on peut dire que le vivant lutte contre l'entropie, c'est-à-dire la désorganisation, aller vers le plus homogène, aller vers des situations où plus rien ne change. Bref, pour le vivant, c'est la lutte contre la mort. Une définition d'ailleurs du vivant ou de la vie est de dire que c'est l'ensemble des forces qui luttent contre la mort. Bon, alors le vivant se maintient en vie activement par son organisation, et ces organisations proviennent d'abord de l'histoire naturelle. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment aborder le vivant sans coupler ces deux aspects, l'organisation du vivant et son caractère historique et donc changeant. Autrement dit, il n'y a pas de loi universelle en biologie, le vivant change toujours, il est historique. La physique impose cependant que sa capacité à lutter contre l'entropie, à lutter contre la désorganisation, soit toujours locale. Et en fait, vous voyez bien que les organismes sont locaux, ils sont situés, et les écosystèmes sont aussi situés, et la biosphère elle-même est locale, elle est limitée à la Terre. Dans ce cadre, l'humanité est très particulière. Elle change son mode de vie, elle évolue au sens large du terme, par des organes que Lotka appelait exosomatiques, ce qui veut dire en dehors du corps. Ces organes, ce sont tout simplement les objets techniques, les artefacts. Mais ces objets ne sont pas spontanément bénéfiques, par je ne sais quelle providence. Ils sont à la fois toxiques, mais ils peuvent aussi être des remèdes. En fait, ils sont ce qu'en grec on appelle des pharmaka.
Par exemple, vous voyez bien la toxicité des machines issues de la, première révolution industrielle, qui se manifeste avec un peu de délai à travers les gaz à effet de serre qui conduisent au réchauffement climatique. Mais de la même manière, les enfants sont confrontés à la toxicité des écrans, les enfants en bas âge, toxicité qui provoque par exemple des retards de langage et des syndromes qui ressemblent au syndrome autistique sans en être exactement. Bon. Mais les humains donc, luttent contre la toxicité des pharmacas par les savoirs. Or, nous avons perdu de nombreux savoirs parce qu'ils sont passés dans les dispositifs techniques. Tout d'abord les machines de la première révolution industrielle, et à la fois Adam Smith et Marx avaient fait cette remarque, donc vous pouvez choisir lequel vous préférez suivant vos options politiques, mais dans tous les cas cette dynamique est bien identifiée. Mais aujourd'hui donc, nos savoirs sont passés aussi pour l'alimentation par exemple dans les dispositifs de l'agro-industrie, ou pour énormément de choses ils sont passés dans l'ordinateur. Par exemple, on perd l'habitude de calculer parce que l'ordinateur, incluant le smartphone, peut faire les calculs, ou on perd la capacité à orthographier correctement parce que l'ordinateur corrige automatiquement. Donc, dans ce contexte, on est vraiment dans une situation très difficile sur le plan vraiment de ces savoirs-là, puisque à la fois on produit des nouveaux artefacts de manière de plus en plus rapide, et à la fois, on les perd parce que nos savoirs passent dans les dispositifs techniques. Dans ce contexte, Bernard Stiegler a initié le groupe Internation, et ce dernier défend dans le livre Bifurqué l'idée de développer une nouvelle forme d'économie, appelée l'économie contributive, et favorisant le développement de nouveaux savoirs, et donc la capacité à limiter la toxicité des objets techniques, et à les transformer pour les utiliser de manière bénéfique. Sachant qu'on se débarrassera jamais de la toxicité des objets techniques, hein, ils auront toujours ce double aspect poison et remède. Donc l'idée est que de tels savoirs sont d'abord essentiellement locaux, et correspondent donc à des localités qui peuvent être très petites, comme une ferme, une maison, ou plus grandes, comme une ville, une région ou la biosphère elle-même. La proposition du groupe Internation est alors essentiellement la mise en place de territoires laboratoires, où différents parties concernées, habitants, entreprises productives, acteurs de la finance, institutions publiques, chercheurs académiques, travaillent ensemble pour prendre soin d'une localité en développant de nouveaux savoirs. Alors, comment on aboutit dans ce contexte à la question de l'informatique théorique et des générations ? L'idée est que le point de vue dominant, notamment dans la Silicon Valley, qui forme la manière dont on vit dans une large mesure, dans une mesure de plus en plus large, est que tout est calculable et optimisable. Ça conduit par exemple à l'idée de la Smart City, la ville automatique. Ce point de vue s'appuie à la fois sur une dimension politique, qui est cette dimension de contrôle par le calcul, et une idéologie scientiste, on pourrait dire, où tout est calculable, tout est conçu comme calculable. Nous pensons que c'est faux. Un exemple à grand spectacle, si j'ose dire, est le Covid-19, qui est une anomalie, un événement imprévu, et le fait d'avoir trop calculé, trop cherché à optimiser, par exemple sur les masques, a fait qu'on s'est retrouvé bien dépourvu face à cet événement imprévu. Donc, le problème pour nous n'est pas d'éliminer l'informatique, mais de mettre le calcul à sa juste place et de maîtriser le calcul plutôt que de dire que de les laisser écraser le vivant comme le proposent les GAFAM. Alors, il y a une tentation ici, qui est de dire, bon, ces gens sont fous, ceux qui disent que tout est calculable, et il y a la tentation de se couper de la technologie, de l'informatique, mais cette tentation, à notre avis, n'est pas raisonnable. Tout d'abord parce qu'ils sont bien décidés à imposer ces dispositifs, d'une part, mais surtout parce que nous avons besoin de savoir
pour lutter contre la toxicité des pharmacas qui est bel et bien là. Par exemple, le réchauffement climatique, même si les émissions de gaz à effet de serre cessaient maintenant, va continuer pendant un moment, quelques décennies, étant donné les propriétés du climat. Donc nous avons besoin de savoir. Alors, dans ce contexte, il faut bien voir que les techniques sont constitutives du savoir. Par exemple, on ne peut pas faire de mathématiques sans écrire. Or, écrire, c'est une technique. Donc, c'est quelque chose qui a aussi sa toxicité, mais qui a permis, par exemple, les mathématiques, la biologie, etc. Et donc, les ordinateurs, l'informatique, changent fondamentalement les choses. Elles changent les choses, mais on n'a pas pris le temps collectivement de l'adopter, c'est-à-dire de limiter la toxicité de l'informatique, pour en tirer surtout les aspects bénéfiques. Et vous avez pu voir lors de l'épidémie, qui n'est pas finie d'ailleurs, que par exemple dans le domaine scientifique, il est de plus en plus difficile d'avoir une controverse scientifique saine, c'est-à-dire une situation polémique mais qui fait émerger des connaissances scientifiques, et qu'à la place on a été beaucoup plus dans la polémique stérile, par exemple sur la chloroquine. Mais c'est le cas aussi en fait très fréquemment, bien avant le Covid, par exemple sur les questions de toxicologie, où il est très difficile d'avoir un débat, une controverse scientifique saine sur la toxicité, par exemple du Roundup ou des perturbateurs endocriniens. Donc, et le problème se trouve en quelque sorte de manière différente au niveau de l'école, à laquelle on fait de moins en moins de crédit parce qu'elle n'est plus vraiment en mesure d'adopter ces nouvelles technologies et de les critiquer pour en faire quelque chose de positif pour les enfants. Donc il y a une perte de crédit dans l'école, dans les institutions scientifiques, et la question de la perte de crédit, c'est-à-dire de croyance dans ce qui est fait vis-à-vis des banques, est aussi un enjeu très important. Donc, nous avons ce projet de refonder l'informatique théorique. Alors, l'idée, en fait, peut être résumée de manière très simple. L'informatique théorique a été initiée, notamment par Alan Turing, avec cette expérience de pensée qui consiste à se mettre à la place de la machine, donc qui réécrit machinalement sur un cahier. Donc, c'est vraiment une notion d'automaticité. Et en fait, cette informatique théorique classique correspond essentiellement à des problèmes purement mathématiques. Incidemment, ce modèle a été utilisé aussi comme modèle pour comprendre le vivant, alors qu'elle émane spécifiquement de l'activité humaine et de l'activité technique humaine. Et dans le contexte du vivant, elle est très problématique. Elle conduit par exemple aux notions que vous avez dû rencontrer de programmes génétiques ou d'informations génétiques, ou l'idée que le cerveau traite de l'information. Or, ce sont là des métaphores qui viennent de la technique et qui sont plaquées sur le vivant de manière assez arbitraire. Bon, mais ce que nous proposons, en un sens, c'est de changer l'objet de l'informatique théorique et de dire qu'il ne faut plus regarder la machine isolée toute seule qui fait un calcul automatique, mais de dire qu'il faut regarder la machine et les êtres humains, et voir plus que la machine, mais les machines en réseau et les êtres humains en communauté humaine. Donc en changeant cet objet de l'informatique théorique, on change bien sûr la nature de la discipline, et dans nos trois jours de travail, nous avions des informaticiens, des mathématiciens, des philosophes, des biologistes, des physiciens, des psychologues, pédopsychiatres, des designers, un enseignant, un parent d'élève. Il manquait un peu l'économie, mais ce sera partie remise. L'idée ici, donc, c'est de saisir ce nouvel objet de l'informatique théorique, à la fois pour mieux saisir la toxicité que peuvent avoir ces dispositifs techniques sur les humains, puisque lorsqu'on considère les humains plus les machines, on peut voir les effets de la machine sur les humains et les effets des humains sur la machine, ça va dans les deux sens. Et cette toxicité, par exemple, se manifeste dans les comportements addictifs que peuvent avoir les dispositifs, notamment sur smartphone, tels que Facebook ou Candy Crush.
Les effets de ces dispositifs-là sont loin d'être négligeables. En fait, en un sens, ils rendent les comportements humains calculables, prédictibles, et ils empêchent de bifurquer, de créer du nouveau. Ils monopolisent et détruisent l'attention. En même temps, l'informatique peut bien sûr avoir des aspects bénéfiques. Et pour ça, il faut bien identifier l'articulation entre le calcul d'un côté et la délibération de l'autre. C'est le cas par exemple en science, mais ça peut être le cas par exemple dans le domaine bancaire ou financier. Le but ici, c'est bien de limiter la bêtise lorsqu'on s'en fie au calcul sans critique. Et l'idée que nous avons beaucoup travaillé, notamment aujourd'hui et hier, est que cette nouvelle informatique théorique n'est plus une discipline qui a été historiquement une branche des mathématiques, comme l'a été l'informatique théorique, mais en fait se couple à l'expérimentation. Elle se couple à l'expérimentation parce qu'il s'agit donc non plus d'étudier une machine qui fait des calculs automatiquement, mais d'étudier les relations entre les machines et les hommes afin de changer la machine et puis aussi de développer le savoir des hommes vis-à-vis de ces machines. Donc, par exemple, nous avons vu une expérience qui va bientôt commencer, mais qui a été préparée, de modélisation urbaine par des enfants en Seine-Saint-Denis. Et donc l'idée ici, c'est d'utiliser un jeu, Minecraft, pour favoriser les savoirs de ces enfants et pour qu'ils puissent reprendre prise vis-à-vis de leur propre ville. Une autre expérience à laquelle je participe porte sur les savoirs vis-à-vis des smartphones par rapport à la toxicité du développement des enfants. L'abus de smartphones ou même l'utilisation de smartphones chez les enfants en bas âge étant extrêmement néfaste, conduisant notamment à des retards de langage. Pour la question du rapport entre générations, je vais passer la parole à Victor. Juste pour rappel, Maëlle Monteville, vous êtes biologiste théoricien et membre fondateur du collectif Internation. Et Victor Schex, vous allez pouvoir expliquer un peu ce que vous avez pu faire lors de cette résidence. Vous êtes donc membre fondateur de l'association des amis de la génération Thunberg. On vous écoute. Donc, comme elle l'a expliqué, il a plutôt parlé du projet du collectif Internation, qui essaye de valoriser la place des savoirs dans l'économie. En fait, peu de temps après, pour vous raconter un peu l'historique, peu de temps après la présentation de ces travaux, ou en fait même en même temps, l'association des amis de la génération Thunberg s'est créée, en fait, réalisant qu'il s'agissait aussi de retisser un lien entre les générations, c'est-à-dire que ces savoirs soient retransmis et repermettre les conditions de ces savoirs. Parce qu'en fait, c'est là où se pose tout le problème, c'est est-ce que les conditions d'accès au savoir pour les jeunes générations ou celles encore à venir sont permises, notamment par les évolutions technologiques et numériques actuelles. Juste aussi pour faire un peu le lien entre la démarche que proposait Internation et en fait la génération qui lutte pour le climat et qui peut lien qui peut pas sembler évident au début, c'est que avant tout Greta Thunberg elle en manquait à la rationalité. Et en cela, d'une certaine manière, c'était un défi qui était presque plus épistémologique du coup, en rapport avec la vérité, celui de voir la vérité comme elle est, c'est un talent de parésiaste, comme disait Bernard Stiegler, c'est une épreuve. Il précède le problème climatique, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de rationalité et qu'on part dans une folie collective qui en fait peut se témoigner par Bolsonaro, Trump et favorisé par les fake news. Les conditions de vie écologiques, les conditions sanitaires sont moins favorisées. En fait, ce qu'on a essayé de parler pendant ce séminaire, c'était aussi du coup du lien avec les générations. Et moi-même, qui travaillais avec Bernard Stiegler pendant un an, n'a pas eu le temps de totalement maîtriser totalement ces sujets dont il parle depuis 50 ans. Mais j'ai essayé d'en retracer l'essentiel. Et en fait, selon lui, c'est que les savoirs sont constitutifs des liens
entre générations, qu'elles soient encore vivantes ou disparues. C'est ce qu'on appelle entre l'intergénérationnel et le transgénérationnel, c'est-à-dire ce qui dépasse les générations vivantes, ce qui du coup implique aussi les générations encore à venir. Et en fait, ces savoirs, le problème, c'est que selon lui, ils ont été détruits par le marketing, qui en fait détournait les désirs pour les transformer en pulsions, et ainsi en fait mener au discrédit aussi des jeunes générations face, de sentiment de discrédit face à la situation. Donc, en fait, pourquoi l'informatique théorique et les questions de génération, du coup, c'est est-ce que ces supports de savoir peuvent permettre la transmission des savoirs à la fois de nos ancêtres ou de nos générations ascendantes aux nouvelles générations pour qu'elles puissent, en fait, comme elle l'a expliqué, produire de la nouveauté, c'est-à-dire bifurquer, en fait, lutter contre les différentes catastrophes. Donc, aussi, c'est en fait la question de la diversité, surtout face à des algorithmes qui, en fait, homogénisent les pensées et qui réduisent le divers. Et en fait, c'est ainsi qu'on peut aussi entendre le mot génération, c'est-à-dire génération de quelque chose d'autre, de nouveau, donc de diversité, de singulier, et qui, en fait, il nous semble, au sein de nos deux collectifs, cette diversité de pensée qui est aussi essentielle que la diversité biologique pour maintenir un écosystème ou en fait même qui précède qui est la condition qui précède un maintien d'un écosystème, parce que par la perte de savoir on perd aussi la culture du soin d'un écosystème. Donc voilà, et on s'est posé aussi beaucoup la question de l'école qui est la première institution en fait des liens entre générations et qui est pourtant bouleversée par les avancées numériques actuelles et qui n'arrive pas à intégrer ces problématiques. C'est Rodrigo Anas qui parlera plus de ça en détail, lui qui connaît mieux. Mais voilà, c'est ce que Bernard écrivait il y a pas longtemps et ce dont j'approuve tout à fait, c'est que en fait dans l'école aujourd'hui, les cours de technologie, on les enseigne de manière très passive, avec des modes d'emploi prédéfinis, et c'est très symptomatique d'une forme d'éducation qui s'adapte en fait au consumer capitalism, où en fait il n'y a plus d'adoption de la technique, il n'y a plus de pratique de la technique des praticiens. Il y a seulement des utilisateurs qui ont perdu tout sens critique de l'objet avec lequel ils travaillent. Et donc, à partir de là, ils souhaitaient aussi que l'école réintègre ces questions technologiques, que surtout la philosophie pouvait s'approprier. Une philosophie de la technique. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup, Victor Schex. Je laisse la parole à Anna Lombert. Vous êtes doctorante en philosophie à l'Université de Nanterre et vous avez travaillé à l'IRI dans le cadre du programme de recherche contributive avec Bernard Stiegler. Oui, merci beaucoup. Du coup, je vais simplement compléter, prolonger un tout petit peu ce qui a été dit par Maëlle et par Victor en essayant de relier ça à la question de l'écologie plus spécifiquement, puisque effectivement, ce festival Agir pour le vivant, c'était aussi un festival, disons, en vue d'enjeux écologiques. Donc, je voulais simplement commencer cette toute petite intervention par une citation de Félix Guattari dans un livre publié en 1989 qui s'appelle « Les trois écologies ». Je cite donc Guattari, « Les perturbations écologiques de l'environnement ne sont que la partie visible d'un mal plus profond et plus considérable relatif aux façons de vivre et d'être en société sur cette planète. L'écologie environnementale devrait être pensée d'un seul tenant avec l'écologie sociale et l'écologie mentale. » Alors, que veut dire Guattari ici ? Il veut dire tout simplement que l'écologie a une triple dimension, à la fois environnementale, qui est fondamentale,
mais aussi sociale et mentale. C'est-à-dire qu'elle concerne non seulement le milieu naturel et le milieu technique, mais aussi le milieu psychique, disons, et les rapports sociaux. Et donc, c'est en fait sur ces trois dimensions de l'écologie que nous avons essayé de travailler dans ce livre qui s'appelle Bifurqué. C'est pour ça que c'était un livre transdisciplinaire, c'est-à-dire que voilà, de nombreuses disciplines étaient convoquées, sachant que, donc, à la fois sciences dites naturelles, sciences dites humaines, sciences sociales, etc., et aussi sciences technologiques, design, parce que le propos de ce livre, c'était aussi de dire que les technologies jouent un rôle fondamental, et d'autant plus aujourd'hui, dans les perturbations écologiques, qu'il s'agisse de l'écologie environnementale, qu'il s'agisse de l'écologie mentale ou qu'il s'agisse de l'écologie sociale. Voilà. Parce que tout simplement, ce qu'on constate, c'est que les évolutions technologiques extrêmement rapides ont des effets disruptifs à la fois sur les milieux naturels, mais aussi sur les organisations sociales, qui ont du mal, en quelque sorte, à se réajuster face à ces changements technologiques constants. Et aussi, elles ont aussi des effets, ces technologies, des effets psychologiques ou mentaux, sur les esprits, disons, des individus, sur leur développement psychologique. Et donc, les enjeux de ce livre, Bifurqué, ils étaient donc doubles par rapport à cette problématique écologique un peu globale, disons. Les enjeux étaient doubles. D'une part, les enjeux étaient théoriques d'abord. Donc, il s'agissait d'essayer de comprendre, en fait, quels sont, disons, comment qualifier théoriquement ces disruptions écologiques, en quelque sorte, provoquées par les nouvelles technologies. Et ce qu'on proposait, c'était de les qualifier grâce au concept d'entropie et de négantropie, en soutenant qu'il y avait trois types de production d'entropie et de négantropie. Entropie, à la fois au niveau thermodynamique, au niveau biologique et au niveau psychosocial. Donc ça, c'est, je ne vais pas développer ces questions ici, mais c'est pour dire simplement que affirmer des thèses de ce genre de thèse, ça ne va pas forcément de soi, parce que ces concepts-là ne sont pas forcément encore tout à fait stabilisés dans les différents champs scientifiques, pardon, qui sont concernés. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, c'était d'essayer de, voilà, d'élaborer, de faire dialoguer les différentes disciplines et d'élaborer une sorte de paradigme théorique qui puisse un petit peu rendre compte de ces différents liens entre les différents champs scientifiques et de ces enjeux en termes d'entropie et de négantropie. Et au niveau des enjeux pratiques, tout simplement, donc là, le but du livre, c'était en fait de fournir non pas des solutions, mais plutôt des méthodes pour essayer en fait de transformer ces technologies numériques pour qu'elles deviennent en fait des supports de savoir et non plus, disons, des instruments de contrôle ou des instruments d'exploitation ou d'extraction des données. Voilà. On présentait pas une solution unique ou magique, mais l'idée, c'était plutôt de présenter des méthodes de recherche qui permettent en fait à la population, tout simplement, de se réapproprier ces technologies numériques et d'essayer de réfléchir à des nouveaux fonctionnements de ces technologies numériques qui pourraient permettre justement d'engendrer des pratiques disons thérapeutique et non plus destructrice. Et donc pour ça, voilà, la méthode qu'on proposait, c'était la méthode de la recherche contributive, qui consiste en fait tout simplement à faire travailler ensemble des habitants, des chercheurs académiques, des professionnels, des économistes, des acteurs économiques, des représentants politiques, etc. Et donc on a un petit peu présenté cette méthode dans ce livre et les différents projets qui ont été développés grâce à cette méthode. Et donc au niveau de l'économie, tout simplement, hein, l'enjeu, c'était effectivement de passer d'une économie des données à une économie des savoirs. Et c'est pour ça que disons, les enjeux de la question de l'informatique et plus spécifiquement de la question de l'information sont des enjeux fondamentaux, hein, parce qu'il s'agit de bien distinguer les données qu'on peut extraire, qu'on peut exploiter, qu'on peut revendre, et les savoirs qu'on peut partager et transmettre. Et surtout, les savoirs, quand on les partage, quand on les transmet, on les renouvelle. Et c'est en ce sens qu'une économie qui se veut régénérative devrait, selon nous, ou en tout cas pourrait tendre vers la valorisation de la pratique de ces savoirs. Voilà. Donc, je vais passer la parole aux interlocuteurs. Merci à vous trois pour ces explications autour des travaux. Vraiment beau travail. Ceci étant posé, je propose qu'on commence la discussion, mais avant, on va faire un petit tour de table pour faire les présentations. Je commencerai par Dominique Bourg. Bonsoir, vous êtes philosophe
professeur honoraire de l'Université de Lausanne, ancien président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Vous avez notamment publié en 2019 « Le marché contre l'humanité », publié chez PUF. Et vous êtes dans une démarche vraiment d'écologie radicale. Vous promouvez le concept de décroissance avec une refonte aussi de l'informatique à travers ce qu'on appelle les low-tech. Donc vraiment ne pas être dans une innovation destructrice, mais vraiment une innovation technologique accompagnée par la connaissance et les savoirs et non pas guidée simplement par des concepts ou des désirs de profit pour accompagner cette décroissance. À côté de vous, Madame Corinne Lepage, bonsoir. Je ne vais pas faire l'opprobre de décortiquer votre CV, mais voilà, vous êtes avocate, présidente du cabinet Huglot-Lepage, que vous avez cofondé en 1978, il me semble. Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement et vous avez publié notamment « À bout de confiance, de la morale en politique », publié en 2017. Françoise Mercadal de La Salle, bonsoir. Vous êtes directrice générale du Crédit du Nord, membre du Conseil national du numérique. Vous avez travaillé à la Caisse des dépôts et consignations, à la Société Générale, vous venez de la haute fonction publique. Et vous soutenez que la banque est une des plus anciennes institutions qui a su vraiment accompagner cette transition numérique et technologique. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez opéré ces dernières années, ces 10 dernières années, au sein de Crédit du Nord et même auparavant à la Générale, essayer de vraiment repenser les process, à la fois en interne, avec vos collaborateurs, mais aussi avec vos clients, de se doter d'outils numériques pour vraiment accompagner cette transition numérique en lien avec l'écologie et la dimension sociale qui vous est très à cœur. On en parlera tout à l'heure. Rodrigo Arenas, bonsoir. Vous êtes co-président de la Fédération des conseils des parents d'élèves. Vous défendez l'école comme un outil institutionnel pour répondre aux enjeux générationnels. Et pour vous, l'école, c'est vraiment un temple de la raison et de la rationalité. L'école doit redevenir un temple où on doit générer et transmettre du savoir, à la fois pour les parents et pour les élèves. Vous voyez l'école aussi comme levier économique, avec beaucoup de ruissellement dans des domaines économiques et industriels, le bâtiment, l'alimentation, on en reparlera aussi tout à l'heure sans doute. Et surtout, pour vous, l'école doit être le moteur d'une refondation culturelle au sein de la société, vraiment au sein de la famille nucléaire, comme vraiment levier de repenser les mentalités. Marie Toussaint, bonsoir. Vous êtes eurodéputée, juriste en droit international et de l'environnement, cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous, et vous êtes à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle, qui est une campagne de justice climatique que vous avez initiée en fin 2018, et qui vise à poursuivre l'État en justice pour une action dans la lutte face au réchauffement climatique. Et vous dénoncez les violences à tout niveau, qu'elles soient humaines, sociales, écologiques. Vous êtes vraiment dans une démarche globale de justice sociale et écologique. Et Sophie Swatton, elle n'est pas là. D'accord, très bien. Donc voilà, le thème de ce soir pour ce débat, c'est épistémologie de la catastrophe. Ah pardon, excusez-moi. Vous étiez en plein dans mon champ de vision et je vous ai oublié. Philippe Zawati, bonsoir. Excusez-moi. Vous êtes directeur général de Mirova qui est donc une filiale de Natixis, spécialisée dans la finance durable, la finance verte. Et vous avez lancé l'initiative collaborative Construisons le monde d'après, à l'issue de la période de confinement et de pandémie qu'on a connue. Vous avez comme objectif d'inviter les citoyens à penser une nouvelle façon de penser la transition écologique à travers la finance. On parlera tout à l'heure des décisions, des mesures sur lesquelles vous réfléchissez, à savoir développer des indicateurs, se doter de mesures, de moyens de mesure, et aussi de normes à l'échelle européenne pour gagner en souveraineté européenne. Et donc, on vous interrogera sur ces questions entre la finance et la transition écologique, avec toujours comment repenser les outils numériques et les algorithmes en faveur à la fois du climat, de l'écologie et des dimensions sociales. Et donc, oui, comme je le disais, le sujet de ce soir, c'est l'épistémologie de la catastrophe. Il fait très très chaud.
Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser la parole assez rapidement. Donc pour commencer, je voudrais vraiment parler d'un thème qui va être vraiment fédérateur pour vous tous, quelle que soit votre expertise respective, c'est celui de la technique, parce que dans l'évolution humaine et de nos sociétés, la technique, la science et par extension l'innovation ont vraiment été le treuil de tout progrès. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, comme le disait Bernard Stiegler, et comme tu le rappelais Maëlle, à quel point on peut faire confiance à la science? La science et les techniques qui devaient être des remèdes pour résoudre nos problèmes et s'occuper de nos désirs, aujourd'hui sont vraiment devenus toxiques et systémiques, quels que soient dans les usages sociaux, de recherche, de développement. Donc ma première question pour Dominique Bourg et Corinne Lepage, parce qu'on va essayer de structurer ce débat en trois temps. Donc je propose un premier binôme, un premier mini-dialogue entre vous, Dominique Bourg, et vous, Madame Corinne Lepage, autour de la catastrophe, et vous qui promouvez une décroissance radicale avec des technologies low-tech, comment vous appréhendez justement toute cette innovation ? La décroissance radicale, je ne sais pas. Rassurez-vous, je n'appelle pas tout le monde à se mettre à quatre pattes et à botter l'herbe dans les champs. Hein. Est-ce que j'ai dit ? Bon, juste pour revenir justement un petit peu pour... disons, démythologiser parfois ce qu'on peut entendre des techniques. J'ai beaucoup apprécié dans ce qui a été dit avant, le fait qu'on ne pouvait pas distinguer l'informatique des associations d'individus, de gens. Et par exemple, on a une façon très mythologisante de présenter les choses. On va dire, voilà, il y a un programme qui a réussi à vaincre le champion du monde de jeu de Go. C'est débile. C'est pas un programme. C'est tout d'abord des conventions d'écriture qui remontent très très loin, à l'Antiquité, qui se sont raffinées, ce sont des communautés de chercheurs, et effectivement, en face de tout ce petit monde-là, qui s'est étalé sur des siècles, vous avez un pauvre mec qui est champion du monde du jeu de Go. Il ne fait pas le poids. Et donc, il y a déjà une façon de présenter ça qui est très gênante. Ensuite, mais justement, vous vous en détachez, et c'est, je crois, très très important de faire passer ça dans le public. Maintenant, justement sur la question des algorithmes, si vous allez parler à certains mathématiciens ou informaticiens, ils vont dire, ben non, il faut en coller partout. Corinne, tu me rappelais récemment que certaines études nous montrent que sur le plan du QI, les générations qui viennent sont, je suis désolé pour les gens les plus jeunes dans la salle, j'espère que vous n'allez pas me mettre dehors, sont moins bien dotées, à vérifier. Mais imaginons que ce soit le cas. Ben, si en plus, ils sont nativement plus mal dotés, et si vous substituez les exercices classiques de leur intelligence par des algorithmes, là, vous allez les transformer en quelques années en électeurs de Trump. C'est pas tout à fait optimal. Donc là, c'est aussi une façon de démythologiser, si vous voulez, un petit peu les techniques. Puis là, je suis aussi éditeur, je vais faire de la pub sur un livre que j'édite... enfin que les puffs éditent, mais dans une collection dont je m'occupe, avec Sophie Zlatone, qui n'est pas là ce soir parce que son train a fait défaut. Vous voyez, les techniques, parfois, ça pose quelques problèmes. Un livre que je trouve vraiment fondamental, l'auteur de ce livre s'appelle Nicolas Boulot, le livre s'appelle « Ce que nature sait, les dangers de la biologie de synthèse » et sortira donc aux presses universitaires de France en janvier. Et ça permet de reprendre au bon ce que vous avez dit sur le calcul en droit, si on regarde l'ADN, le vivant est par définition calculable. Il est de nature combinatoire. Et bien pourtant, Bernard Stiegler serait d'accord avec cette conception. Oui, mais attendez, vous allez voir. Justement, en même temps, vous pouvez voir quelque chose qui relève du calcul et qui n'est ni calculable ni maîtrisable. Si vous regardez les possibilités propres à l'ADN en général pour le vivant, on va prendre par exemple le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 80, c'est déjà pas mal, hein. Eh bien, en matière de possibilité de la combinatoire génétique, vous êtes à 10 puissance 3 350 000. Donc, vous ne le parcourrez jamais. En 3 milliards 500 millions d'années, la vie n'a parcouru qu'un tout petit, toute petite partie de ses possibilités. Et manque de chance pour nous, certains gènes disparaissent. Et quand vous avez des mutations, les mutations, vous ne pouvez jamais les séparer d'un contexte qui, lui, disparaît. En fait, la nature s'est construite une espèce d'auto-immunité qu'on ne maîtrisera et qu'on ne connaîtra jamais. Une chose peut relever du calcul sans être
calculable. Et ce qu'on va faire, nous, avec notre petite biologie de synthèse, c'est n'importe quoi, et on ne le saura jamais d'avance. On devra l'éprouver. Et il ne vous a pas échappé, hein, il ne vous a pas échappé que nos techniques sont tellement puissantes qu'elles ont produit une dynamique catastrophique. Alors je vous dis tout de suite, souvent on simplifie énormément la collapsologie. Alors certains collapsologues la simplifient. Hein, si vous, il n'est pas là, on peut le dire. Si vous écoutez Yves Cochet, il vous dira que le 28 décembre 2028, vous n'aurez plus rien dans les supermarchés. Pour moi, ça, c'est assez ridicule. En fait, c'est une façon de plaquer ce que des modèles globaux nous apprennent, qu'effectivement, les courbes vont redescendre, elles ont commencé à redescendre. On est dans une dynamique de chocs successifs, qui, à terme, pourrait rendre cette planète très difficilement habitable, ou en tout cas habitable de façon résiduelle. Mais entre, effectivement, ça et dire « je peux vous dire à quelle heure, à quel endroit vous aurez un collapse », ça, c'est ridicule. Mais ça ne veut pas dire que la collapsologie n'a pas de sens. Ouf, ça c'est sympa. Si vous la prenez comme une dynamique d'enchaînement de catastrophes, ben, je suis désolé, nous sommes déjà dedans. Alors maintenant encore, dernière petite réflexion, et après je te laisse la parole, ma chère Corinne. Qu'est-ce qu'on peut attendre des techniques, hein, si vous écoutez Laurent Alexandre ou son binôme Luc Ferry, mais en termes de neurones, ça doit être à peu près pareil, eh bien, ce qui vous est dit, c'est qu'il n'y a aucun problème. Les techniques vont tout solutionner. Qu'elles nous ont amené là où on en sommes, ça n'a pas l'air d'ébranler ces messieurs. Mais, si vous voulez, vous avez deux possibilités génériques des techniques. La première possibilité, ben, c'est de faire des biens avec moins de ressources. Ou de faire des services, c'est pareil, en utilisant moins de matériaux et moins d'énergie. Donc vous le savez, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. À partir du moment où vous pouvez produire un bien ou produire un service qui consomme moins de ressources, vous permettez un accès au marché plus bas, et en fait, ce bien ou ce type de service se vend beaucoup plus, et au bout du compte, vous avez des flux de matière et des flux d'énergie qui croissent. C'est précisément cette possibilité-là même des techniques qui sont le moteur de la croissance. Et que la chose soit claire, ce qui détruit l'habitabilité de cette planète, et le processus est déjà en cours, ce sont nos flux d'énergie et nos flux de matière. À ça, vous pouvez aussi ajouter la démographie. Mais là, le type de responsabilité est complètement différent. En termes de flux d'énergie, en termes de flux de matière, entre un pauvre de tel continent, pas moi, africain, indien, etc., et puis un richissime industriel de n'importe quel continent, dans un cas, ça sera 300 kg de CO2 dans l'année, et dans l'autre, ça sera 200, 300, 400 tonnes. En revanche, sur le plan démographique, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous avez besoin de la même surface pour régénérer votre air, régénérer votre eau, et pour produire votre nourriture. Donc, le seul moyen qu'on ait de s'en tirer, c'est de réduire ces flux. Alors, on avait inventé quelque chose de génial dans les années 70. On a inventé l'idée de développement durable. L'expression date de 80, mais les fondements sont déjà là au moment du colloque à Stockholm en juin 72. C'était vraiment génial comme idée. C'est-à-dire qu'on va continuer à s'enrichir, évidemment matériellement. La richesse spirituelle, ça n'a pas l'air d'attirer les mêmes foules. On va continuer à s'enrichir matériellement, mais avec moins de matière et moins d'énergie. Bon, si vous êtes un économiste néoclassique, ça ne vous pose pas de problème. Si vous êtes un pizzaiolo, ça devient très difficile. On vous demande de faire une pizza de plus en plus grande, avec de moins en moins de pâtes et de nutriments. Il faut vraiment être un économiste pour savoir faire. Si, comme moi, vous êtes plus proche du pizzaiolo, vous aurez des problèmes. Donc, effectivement, ça ne marche pas. Ça fait 40 ans que ça ne marche pas. Quand on parle de décroissance, ce n'est pas parce qu'on veut retourner à la lampe à l'huile. Il n'y a pas de baleine. Il n'y en a plus. Okay, c'est tout simplement parce qu'on sait que ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, ce sont ces flux croissants. Donc, si ce sont des flux croissants qui la détruisent, il paraît assez normal qu'on cherche à les faire décroître. Alors, juste encore un mot
par rapport à la question de l'informatique, on va publier dans une revue un gros dossier sur les low-tech qui paraîtra, vous aurez ça sur le portail Cairn, fin septembre ou début octobre. Bah, je suis désolé, il n'y a aucun article sur l'informatique. Parce que là, c'est assez difficile. Et puis les low-tech, c'est très large comme définition. C'est franchement très large. On n'a pas une définition hyper précise. Donc, ma chère Corinne, je vais te laisser sur cette énigme des low-tech. Je te remercie beaucoup du cadeau. Alors, moi, je vais tout de suite vous avouer mon incompétence absolue sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai appris beaucoup de choses. Je sais, malgré la génération à laquelle j'appartiens, à peu près me servir d'un ordinateur. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais je vais quand même essayer de vous dire des trucs. La première chose sur la catastrophe, moi, une image que j'ai trouvée vraiment très saisissante. Ce sont les gens les Américains de Louisiane en train de fuir avec un ouragan catégorie 4 et un masque. La totale. Et la question que je me suis posée et que je me posais en vous écoutant, je me disais, nos technologies, elles auront servi à quoi ? Pas grand-chose. On arrive à un moment où l'humanité n'a jamais eu autant de savoir. Et je pense qu'il y a une différence à faire entre le savoir et la technologie. C'est quand même pas pareil. Mais quel usage en faisons-nous ? Est-ce qu'il y a un moment dans l'humanité où on a autant douté des savoirs ? Et ça, c'est une catastrophe. On en discutait avec Dominique quelques jours, est paru dans le quotidien de référence, comme on dit, dans Le Monde, un papier sur le nombre de gens qui étaient platistes, c'est-à-dire qui pensaient que la Terre était plate. Il y en a 20, quelque chose, qu'est-ce que tu m'as dit ? 16% des États-Unis, 7% en France. 7%, mais c'est quand même beaucoup. Hein, les gens qui sont créationnistes. Ça, au moins 30% des États-Unis minimum. Voilà. Je ne parle pas de tous ceux qui sont les adeptes des vérités alternatives, c'est-à-dire des fake news, c'est-à-dire du grand n'importe quoi. Des complotistes qui pensent que le virus, l'épidémie dont nous souffrons est la faute des Arabes, des Juifs, des Américains, de je ne sais pas qui, des Chinois, etc., etc. Pourtant, nous savons. Donc le problème n'est pas tellement un problème de savoir. Mon problème à moi, c'est comment on partage ce savoir. Et comment on fait que les connaissances auxquelles nous sommes parvenus et qui sont les seuls outils dont nous disposons réellement pour pouvoir essayer de faire quelque chose par rapport à la catastrophe qui vient. Moi, je suis un peu moins pessimiste que mon ami Dominique, mais enfin, il faut avouer que la situation n'est pas brillante quand même. Et je terminerai avec les jeunes générations. C'est dans le partage du savoir, donc dans la confiance dans le savoir. Et c'est vraiment là, pour moi, le sujet majeur aujourd'hui, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour rendre aux gens confiance dans le savoir ? Comment on fait pour sortir de ce que a brillamment écrit Jean-Pierre Dupuis il y a déjà 15 ans dans le Catastrophisme éclairé, nous ne croyons pas ce que nous savons. Comment croire ce que nous savons ? Et ça, c'est vraiment, pour moi, un sujet totalement central, qui n'est pas celui de la technologie, mais bien celui du savoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer la recherche, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais comment peut-on encore avoir des gens qui doutent du dérèglement climatique ? Comment peut-on encore avoir des gens qui doutent des questions de pollution chimique ? Dominique parlait effectivement d'une discussion qu'on a eue, à la suite d'un film que j'ai vu, que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle « Tous crétins ». Bon. C'est un titre alléchant, n'est-ce pas ? Bon, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'études scientifiques tout à fait sérieuses qui ont été faites aux États-Unis sur l'impact des pollutions chimiques sur le cerveau des gosses. Et cet impact, il est considérable, très considérable. Donc, ce n'est pas qu'on fait des enfants qui sont moins intelligents que l'étaient nos générations, c'est qu'on les fait vivre et on les fait croître, parce que ça commence dans le cordon ombilical de la maman. Hein. On les fait croître dans un environnement qui va être très négatif pour leurs neurones et pour leur développement intellectuel et personnel. Voilà, donc ça, pour moi, c'est le, vous voyez, c'est le vrai sujet. Nous, les humains,
Et c'est, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour les droits du vivant et tout ça, mais nous, les humains, nous avons une responsabilité particulière. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Nous avons la capacité de détruire les autres et de nous détruire nous-mêmes. Les autres espèces, elles ont peut-être la capacité de se détruire, de détruire quelques espèces, mais pas tout. Nous, on peut tout faire. Et donc, c'est bien sur ce point-là, à mon avis, vraiment, il faut avancer. Deuxièmement, les générations. Moi, c'est un sujet qui, pour moi, est vraiment majeur. J'appartiens à une génération dont je ne suis pas fière. Très franchement, je le dis comme je le pense. Parce que nous avons eu, ma génération, née après la guerre, nous avons tout eu. Tout. C'est-à-dire la facilité, le travail, la liberté. Même si pour les filles, ce n'était pas encore toujours terrible. Mais enfin, quand même, c'était mieux pour nos mères. Mes petits-enfants, ils vont vivre dans quoi? J'ai un petit-fils de 2 ans et demi, petite fille de 17 ans. Ils vont vivre dans quel monde? Et le sens de la responsabilité de nos générations est quelque chose d'extrêmement important et je trouve totalement légitime et justifié la réaction de la génération Thunberg. Vous avez entièrement raison. Et paradoxalement, c'est vous, parce que vous avez un côté de désespérance, qui portez l'espérance. Parce que si ce n'est pas vous qui faites les choses autrement et qui forcez les générations qui sont encore au pouvoir à faire les choses autrement, elles ne se feront pas. Et là, c'est fichu. Donc cette espèce de désespérance que vous portez en disant « à quoi ça sert que j'aille à l'école si je n'ai pas d'avenir ?» ce qui est une excellente formule pour poser le problème. Eh bien, elle est porteur d'espérance parce que précisément, vous avez cette réaction saine que nous avons tous eue quand nous étions jeunes, c'est celle de vouloir changer le monde. Seulement, la différence, c'est que vous, si vous ne le changez pas, il n'y a plus ce monde-là. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de planète, mais il n'y a plus ce monde-là. Alors, bien sûr que les technologies ont leur toxicité forte, mais il est clair que nous n'en sortirons pas sans réinverser, je dirais, tous les outils dont nous disposons. On va parler de la finance, on va parler de l'économie, on va parler de la technologie. Tout ça n'est pas la solution, mais tout ça est un morceau de solution. Parce que si on n'arrive pas à tirer tous les fils que l'on peut de tout ce que l'on peut, ça ne le fera pas, tout simplement. Voilà. Et pardon d'avoir pas tellement traité le sujet de l'informatique théorique, parce que je suis infichue d'en parler. Excusez-moi. Non. Merci beaucoup. Je vais peut-être donner quelques éléments de réponse. Bon, il y a quelque chose qui est un peu technique, mais sur les questions de combinatoire, en fait, il manque un aspect de l'argument, parce que, par exemple, la combinatoire des positions possibles de toutes les molécules dans cette pièce est considérable, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire des calculs. En fait, derrière, il y a la question de l'historicité et des nouveautés. Et vraiment, le vivant, il faut le traiter dans son historicité. Alors, vous prenez beaucoup le problème par la question des flux physiques, qui sont évidemment un problème, indiscutable. Mais nous, on prend plutôt le problème par la question de comment on s'organise, et c'est là que les savoirs interviennent. Et j'en profite d'ailleurs. En fait, nous, on distingue savoir et connaissance. On a énormément de connaissances, même si leur qualité a beaucoup baissé récemment, au sens où il y a beaucoup de choses qui sont publiées dans les journaux scientifiques, par exemple, autour du Covid, dont on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, pour dire les choses. Mais on distingue les connaissances des savoirs, et les savoirs, c'est quoi? C'est la capacité à prendre soin d'une situation donnée, d'une localité. Donc, par exemple, Bernard disait toujours, on ne sait pas ce qu'est un smartphone et on ne sait pas l'utiliser. On sait le construire, mais on ne sait pas l'utiliser. Et de fait, le smartphone détruit des enfants, les empêche de se développer correctement avec leur retard de langage, notamment. Donc, on fait vraiment cette différence-là. Et de ce point de vue, d'ailleurs, la question des plateux, par exemple, ceux qui croient dans la Terre plate. On dit les plateux aussi, mais c'est péjoratif.
C'est vraiment des pathologies qui viennent très largement des réseaux sociaux et donc qui sont un problème pour nous de l'informatique théorique, comprise non pas comme science purement des algorithmes, mais comme science élargie, notamment devenant en partie une science humaine. Donc, derrière, il y a la question des GAFA, mais en fait, ce sont dans une large mesure, ce type de croyances-là, le résultat d'une stratégie économique et d'un point de vue sur ce que doivent être les algorithmes pour faire du profit en plaçant de la pub, pour dire les choses clairement, dans le cas des GAFA. Donc, nous, l'idée, c'est de réinterpréter l'informatique, la faire bifurquer, pour qu'elle favorise les savoirs et notre capacité à prendre soin des humains et des non-humains, des êtres vivants non-humains. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a vraiment, je reviens à ça, un point de vue qui n'est pas d'abord par la question physique des flux, mais d'abord par la question de comment on s'organise et comment on se réorganise pour éviter la destruction. Est-ce que vous voulez aussi... Oui, non, moi je voulais juste rebondir sur... merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, et je voulais juste rebondir sur plusieurs petites choses qui m'ont frappée. Bon, c'est un peu décousu du coup, mais l'exemple du jeu de Go, que je trouvais très parlant, voilà, parce que c'est aussi une question d'historicité en fait. Ce que vous avez montré, c'était que, voilà, on ne peut pas comparer un joueur d'échecs qui en fait a appris à jouer aux échecs avec en fait toute la somme des connaissances qui ont permis à des gens, des groupes de chercheurs, des techniciens, etc., de construire un algorithme ou un programme qui sait jouer aux échecs. Ça n'a absolument pas de sens. Et en plus, quand on dit ce genre de choses, en fait, on dit oui, l'automate ou le robot a gagné. D'accord, il a gagné, mais est-ce qu'il a joué ? Là, ce serait beaucoup plus compliqué de répondre. Et donc, en fait, quel sens ça a de dire que... Voilà, c'est très particulier, en fait. Et je le précise parce que souvent, c'est des questions qu'on ne se pose pas du tout. On laisse passer ce genre de métaphore comme ça, un petit peu dans les discours, et c'est très dangereux. Et en fait, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a beaucoup discuté, justement, de ce rôle des métaphores pendant les quelques jours de recherche, là, parce que donc, Maëlle Monteville et Giuseppe Longo, qui travaillent en biologie, constatent aussi des types d'abus métaphoriques dans le champ biologique. On peut les constater aussi dans d'autres champs de savoir, et notamment dans ces champs qui sont ceux de l'intelligence artificielle et de ces nouvelles technologies. Et du coup, sur quoi sont fondées ces métaphores ? En fait, elles sont fondées sur l'idée selon laquelle il y aurait une espèce d'analogie entre ce qui se passe dans une machine et ce qui se passe dans un cerveau humain, ou bien alors même dans ma tête. Mais c'est très bizarre de dire ça, en fait, hein, parce que quelle est l'idée ? L'idée, ce serait que, en fait, la connaissance, par exemple la connaissance des échecs, ce serait en fait un ensemble d'opérations qui pourraient se dérouler soit dans ma tête, soit dans un circuit électronique, par exemple. Mais où est-ce que ça se déroule vraiment dans ma tête ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Et donc, l'idée, pour nous, quand on parle de refonder l'informatique théorique, c'est aussi ça l'enjeu. C'est aussi de dire, non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. En fait, un savoir, c'est pas quelque chose, c'est pas un ensemble d'opérations qui se déroule dans la tête des gens, ou on ne sait où. Hein. C'est, en fait, toujours un rapport entre un organisme vivant, un certain nombre d'objets techniques, et des organisations sociales et collectives. Et donc, un rapport entre des descendants et des ascendants, une forme de partage et de transmission qui passe nécessairement, qui est médiée par la technique. Et nous, c'est ça qu'on essaie de réhabiliter aussi, c'est cette vision-là de la technique. Cette vision de la technique comme médiation entre les générations et médiation des savoirs. Et aujourd'hui, là, ce qui se passe avec les nouvelles technologies, c'est qu'en fait, la technologie n'est plus du tout mise, n'a plus du tout cette fonction-là. Et donc, on aboutit à une destruction des rapports intergénérationnels et des savoirs que vous avez très bien décrit quand vous parliez des fake news, de ce qu'on appelle un petit peu... ce qu'on appelle la post-vérité, en fait, l'ère post-vérité, c'est-à-dire des croyances irrationnelles, etc. Bon, et ce que je voulais simplement ajouter là-dessus, c'est que, donc effectivement, en ce sens-là, on pourrait dire, non, on ne vit pas une époque où on a beaucoup, beaucoup de savoir. Effectivement, on a construit beaucoup, beaucoup de choses, on a des pratiques très, très efficientes, mais est-ce que pour autant c'est des savoirs ? C'est-à-dire, est-ce que les savoir-faire, est-ce que savoir-vivre, est-ce que savoir-penser sont développés ? Pas vraiment. Et surtout...
Surtout, bon, donc non, je m'arrête là-dessus, mais simplement, enfin, non, c'était simplement pour préciser que c'était ce qu'on décrivait aussi dans ce collectif bifurqué, et à partir d'un concept qui a été développé par Bernard Stiegler, c'est ce qu'on décrit comme un processus de prolétarisation. C'est-à-dire que peu à peu, enfin, ça a été, c'est un concept qui a été développé par Bernard Stiegler, mais il avait déjà été, enfin, ce phénomène a déjà été décrit par exemple par Jean-François Lyotard dans La condition postmoderne, il a déjà été décrit aussi par Marx auparavant, enfin bref, il a été décrit par plusieurs personnes, et simplement, voilà, c'est cette idée que quand un savoir est extériorisé dans un objet technique et que les processus qui permettent sa réintériorisation collective ne sont pas mis en œuvre, et bien tout simplement les personnes sont dépossédées de leur savoir qui se transforme en automatisme et ils sont soumis à ces automatismes-là. Voilà. Et je pense que c'est plutôt ça qui se produit aujourd'hui et qui explique tous les phénomènes que vous avez décrits. Et simplement une dernière petite chose, vous avez posé la question de savoir que je trouvais très très, enfin qui a évoqué beaucoup de choses. Comment croire ce que nous savons, vous avez demandé. Et moi, je voulais demander, enfin, compléter un peu cette question en demandant, peut-on savoir quand on ne croit pas ? C'est-à-dire, quand on n'a plus de croyance, est-ce qu'on peut encore savoir quelque chose ? Et est-ce que, voilà, je pense simplement à un texte de Jacques Derrida qui s'appelle « Foi et savoir », dans lequel Derrida essaye de montrer, en fait, que tout savoir, aussi objectif soit-il, procède toujours d'une forme de foi, ne serait-ce que la foi dans la possibilité de savoir quelque chose. Et ça je crois qu'il faut nous, en tout cas, c'était un petit peu notre ambition aussi, de reconstituer cette foi-là, avec ce collectif bifurqué, mais avec toute personne, en fait, qui a envie de participer, pour reconstituer cette foi qui consiste à dire il est possible de savoir quelque chose, il est possible de prendre soin de quelque chose, et je crois que c'est important à l'époque contemporaine. Ouais. Merci beaucoup Anne pour cet exposé très éclairant sur le concept de déprolétarisation et d'être dépossédé des savoirs, des techniques et qui font de nous des automates à la fois comme citoyens, travailleurs, mais aussi les scientifiques. Malheureusement aujourd'hui les savoirs académiques qui sont dans les universités sont à la fois très segmentés et très mécaniques. Aujourd'hui un astrophysicien il travaille pas sans machine comme un biologiste malheureusement ou même dans l'innovation. Donc ma question pour Françoise Mercadal, vous qui êtes dans la finance, mais qui êtes aussi en relation étroite avec l'innovation, parce que vous avez accompagné ces dernières années une transition qui a nécessité de refondre complètement les pratiques avec des outils scientifiques, techniques, informatiques. Comment vous considérez aujourd'hui l'usage des algorithmes à tout niveau, que ce soit en interne, avec vos clients, avec les acteurs du terrain, parce que je sais que le Crédit du Nord est très, très axé sur le terrain, avec les tissus de PME, de start-up et d'acteurs locaux. Alors, comment vous voyez cette refonte pour répondre aux travaux de Maëlle, Victor et Anne sur cet aspect ? Alors, je vais peut-être quitter le niveau des concepts pour revenir à... Peut-être. Non, parce que voilà, heureusement qu'il y a des gens capables de conceptualiser. Mais peut-être, parce que je trouve que de ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde, je crois que le sujet de la différence que vous faites, que Bernard Stiegler faisait très clairement entre connaissance ou information et savoir, est quelque chose de fondamental. Moi, j'avoue que ça a été, dans les dernières conversations que j'ai pu avoir avec lui, quand j'ai confondu ces deux notions et qu'il m'a dit... Mais Françoise, ça n'a rien à voir. Ça a ouvert véritablement un certain nombre de champs de réflexion. Mais donc, peut-être pour refaire un peu d'histoire et pour vous faire partager quelques réactions. Moi, il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, j'ai quitté effectivement la fonction publique pour rentrer au sein de Société Générale, alors dans une situation très particulière, puisque l'entreprise venait d'essuyer le choc Kerviel et on était en pleine crise des subprimes. Et je suis arrivée là comme responsable des sujets d'informatique et d'innovation. Et l'informatique encore, et là on est en 2009-2010, est considérée par ses banquiers, par ses entrepreneurs, comme un centre de coût. Je me souviens très bien de ça. Et donc le seul sujet, c'était de réduire la part de l'informatique dans les frais généraux. Et il y avait encore assez peu de gens qui étaient suffisamment clairvoyants pour voir qu'il y avait une révolution absolument, une transition ou une révolution, chacun le dira comme il veut, qui était en train de se produire et qui était en train de tout changer. Et le philosophe qui m'inspirait,
qui m'a aidé à comprendre ce qui se passait à l'époque, c'était dans un premier temps Michel Serres. Et je veux volontairement parler de ces deux personnes qui m'ont tellement apporté, humainement et intellectuellement, Michel Serres, Bernard Stiegler. Il y avait chez Michel Serres une compréhension qui était en train de se produire, une forme de grande lucidité, mais un immense optimisme. Et j'avoue que spontanément, j'étais dans cet optimisme, considérant que ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, allaient nous permettre de disrupter d'une certaine façon l'ensemble de ces organisations pyramidales, hiérarchiques, dans laquelle le pouvoir résidait dans la détention du savoir. Et donc je pensais que en démocratisant véritablement à l'intérieur de l'entreprise l'ensemble de ces outils, et c'est les premiers programmes qu'on a déployés, qu'on a appelés Digital for All, notamment parce qu'on est une boîte internationale, en déployant l'ensemble de ces outils, on réussirait d'une certaine façon à rééquilibrer, en diffusant ce que j'appelais le savoir, mais qui était les connaissances en fait, qu'on réussirait à rééquilibrer et à rendre beaucoup plus créative et collective la force de l'entreprise et l'ensemble de cette intelligence. Et donc moi j'ai fait partie, à l'époque je suis entrée au Conseil national du numérique, et à cette époque-là il y avait une sorte d'optimisme véritablement dans l'impact social, sociétal que pourraient avoir ces outils. On voyait bien que ça allait tout changer, que ça disruptait la relation entre le professeur et les élèves, entre les parents et les enfants, entre le banquier et son client, etc. etc. Mais je crois qu'on ne voyait pas, on était encore très très loin de voir arriver ce qui allait se produire avec ce que j'appelle moi l'économie des plateformes, et qui est venue effectivement merchandiser d'une certaine façon ces données, ces connaissances, et qui a lentement organisé une forme de dérive entre savoir et connaissance, ou en tout cas information. Et au fur et à mesure des années que nous étions plus aguerris au déploiement de ces technologies, où on commençait à en voir les effets, au sein de l'entreprise bien entendu, mais à l'intérieur de l'ensemble de la société, il y a des questions qui ont émergé. Des interrogations et des peurs et les préoccupations aujourd'hui au sein du Conseil national du numérique, c'est plus la protection contre ces technologies envahissantes et contre les malentendus qui peuvent être, ou les fausses informations qui peuvent être massivement diffusées par ces outils. Pour autant, moi je continue de penser que bien utiliser ces outils-là pourraient nous permettre de mobiliser de manière positive et juste une partie importante de l'humanité. Et je ne sais pas si c'était mieux avant. Moi, j'en suis pas sûre. Je crois qu'aujourd'hui, que n'importe qui, au fin fond de son village, parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement ça, il n'y a pratiquement plus de zone blanche, soit capable d'accéder au travers de ces outils à toute la connaissance du monde, hein, comme le disait Michel Serres, j'ai du mal à considérer que tout ça puisse être exclusivement négatif. Je pense que l'enjeu, et c'est exactement ce que font ces jeunes et ces chercheurs, c'est d'essayer de voir comment on peut rendre l'utilisation de ces outils juste, et donc comment on peut revenir à l'ultra-consommation de la connaissance, une sorte de diffusion horizontale, non hiérarchisée, non catégorisée, non conceptualisée de ce flot d'informations, comment on peut revenir à, et au travers de ces mêmes outils, me semble-t-il, c'est possible, à la diffusion des savoirs. Et je pense que, vraiment, c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire qu'on ne bifurquera pas, on n'évoluera pas collectivement, on est 7,5 milliards d'individus. Donc 7,5 milliards d'individus sur cette planète, pour les atteindre, il faut qu'on ait des outils de masse. Il faut qu'on ait des outils qui nous permettent de diffuser extraordinairement, largement ces données. Il ne faut pas que ça reste l'apanage de quelques-uns, de quelques profs, de quelques penseurs, de quelques scientifiques, de quelques personnes qui ont accès aux médias. Voilà, donc je continue de penser
même face à ce que vous appelez la catastrophe, même face à cette crise majeure dans laquelle nous sommes en train d'entrer, majeure, vraiment, je continue de penser que cette technologie que les hommes ont fabriquée, hein, qui est autre chose qu'un nouvel outil, je continue de penser que si nous le souhaitons, si nous le voulons, il y a une façon de l'utiliser de manière juste. Et en tout cas, je pense que là où nous sommes rendus, c'est la seule chose qui permet de rester en vie, de se lever le matin, d'élever des enfants qui sont tous dans la forme de scepticisme et de dépression, hein, dans laquelle vous êtes, mais qui attendent de nous, je pense, de leur dire « Vas-y, lance-toi, il y a quelque chose derrière. C'est pas vrai que les 7,5 milliards d'humains sont tous des affreux. C'est pas vrai que le monde est fini. C'est vrai que tu as un potentiel en toi et qu'il faut que tu ailles chercher, et qu'il faut que tu ailles trouver la façon de l'exploiter positivement. » Mais souvent, t'es arrivé de dire que je pense que nos discours, qui sont lucidement catastrophistes, sont aussi des discours qui empêchent d'avancer ces générations-là. Et je pense que notre rôle aussi, c'est de redonner cet espoir dans notre capacité, les uns et les autres, à inventer la suite, à l'inventer collectivement, à l'inventer de manière juste. Et j'y crois vraiment. Merci Françoise Mercadal. Donc merci pour ce message avec une note un peu plus optimiste. Et sur cette question d'usage rationnel, maîtrisé, modéré des outils numériques et notamment des algorithmes, Rodrigo Arenas, c'est vrai que pendant la pandémie, on a vu à quel point on était envahi dans l'apprentissage et l'enseignement par ces technologies de téléenseignement, téléapprentissage. Et on sait tous aujourd'hui que le gouvernement, à une époque, a été pro-tablette, pro-usage des outils numériques en bas âge. Pour vous, est-ce que ça contribue aussi à une certaine forme de catastrophe au niveau de l'éducation ? Moi, je suis d'accord avec elle, il y a d'espoir, donc on ne va pas aller sur la catastrophe. Ce qui est décrit, en fait, n'est pas lié au confinement, n'est pas lié à l'école à la maison, etc. Ça a commencé bien avant, rappelez-vous. Il y a quelques années, la communauté éducative et les parents, les enseignants se sont émus du fait que le système d'orientation du service public d'éducation nationale était démantelé. Beaucoup s'émouvaient de cette situation parce que chômage, parce que des professionnels n'allaient plus pouvoir faire leur travail d'orientation, les yeux dans les yeux, pas comme Cahuzac, pour dire la vérité. Et l'idée, c'était que, en fait, était déjà en marche l'algorithmisation de l'orientation, qui s'appelle Parcoursup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'orientation des élèves est clairement comprise dans un algorithme qui s'appelle Parcoursup, qui d'ailleurs ne prend pas en compte l'aspect irrationnel qui est la vie. Et en particulier pour les enfants qui sont porteurs d'handicap. Moi, je ne vais pas faire un truc théorique, même si on pourrait avoir ce débat-là, mais je vais essayer de partir d'exemples très concrets, d'expériences de parents qui me reviennent, et qui permettent d'ailleurs de faire avancer les algorithmes sans en remettre en question la philosophie. Quand je parle de Parcoursup, c'est par exemple, en tant que représentant d'une fédération, un parent d'élève m'appelle en me disant « Voilà, j'ai un gros souci, mon gamin... et porteur d'handicap. » Et en fait, Parcoursup ne prend pas en compte cette difficulté de mon gamin à répondre aux critères, on va dire, acceptés et normaux de cet algorithme. Et donc, sa place dans le post-bac, dans l'universitaire, qui n'était absolument pas lié au fait qu'il ait le bac, parce que le gamin avait le bac, mais il ne pouvait pas prétendre à la filière de son choix, parce qu'il n'avait pas les points suffisants du fait de son propre handicap qui l'empêchait de passer l'épreuve à égalité avec ses camarades de classe. Moi, je représente une fédération, je prends mon téléphone, j'appelle monsieur Parcoursup, je dis voilà, on a un souci, il se passe ça. Puis il se passe comme un peu comme dans les films, en fait. Il me dit bah ouais, on va ouvrir la fenêtre, parce qu'il y a des fenêtres dans les algorithmes.
Et on va modifier le code de façon à ce qu'à l'avenir, cette pathologie, qu'il s'appelle pathologie, qui n'est pas une pathologie, qui sont simplement la vraie vie, soit prise en compte dans le calcul mathématique. Mais on ne remet pas en compte le calcul mathématique. C'est-à-dire que l'orientation dépend aujourd'hui d'un calcul mathématique qui fait rencontrer, vous avez parlé beaucoup d'Adam Smith, mais on peut aussi parler de ce qui fait l'offre et la demande, de faire rencontrer une offre éducative avec une demande éducative, avec cette idée complètement folle du théorème Haro-Debreu qui n'a pas de solution mathématique, mais qui imagine qu'un prix d'équilibre va permettre d'équilibrer le marché. Et cette logique-là, que l'économiste connaisse très bien et qui n'a aucun problème de résolution mathématique pour un mathématicien, fait faire, ce que vous décriviez tout à l'heure, qu'on enferme des enfants et des avenirs dans une forme de calcul qui exclut la vie. Et là, on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que, effectivement, cet enfant a pu avoir la place de son choix, mais quid des autres ? C'est-à-dire qu'on a cassé cette idée qu'en France, l'originalité du système éducatif français faisait que, votre génération, la mienne, a connu ce même système-là. Oui, ce n'était pas forcément pire ni mieux avant. On a connu ce fait que le fait d'avoir le baccalauréat nous permettait de choisir la filière de notre choix parce que, inévitablement, l'arrivée à l'âge adulte et l'émancipation et la liberté que choisit chaque enfant par rapport à son parcours scolaire et universitaire n'est pas déterminée par un choix mathématique, mais déterminée simplement par les rencontres qu'il fait, les aspirations qu'il a, les lectures qu'il entreprend et les connaissances et les savoirs qu'il entreprend aussi au contact de l'altérité. Et l'école, aujourd'hui, ne prépare plus à l'altérité. C'est un peu cet exemple pour essayer d'éclairer ou d'apporter la petite contribution dans le cadre d'une méthode contributive que tu as très clairement définie sur la philosophie de l'algorithme et donc du calcul mathématique qui est appliqué en fait au choix de vie. Un deuxième exemple, il y a dans une commune de Seine-Saint-Denis, j'habite en Seine-Saint-Denis, donc c'est pour ça que je connais un peu ce territoire, je ne fais pas des safari tours, moi là-bas, j'y habite vraiment, contrairement à ceux qui en dissertent beaucoup, qui font des beaux rapports, mais qui en fait n'y ont jamais habité. Et je dis ça parce que ce ne sont pas des gens qui ne sont pas intelligents, au contraire. Mais il est nécessaire parce que souvent, j'ai l'occasion dans l'exercice de rencontrer des personnes qui sont des gens extrêmement intelligentes, et ce n'est pas qu'une question de diplôme, mais qui, quand nous sommes dans l'échange entre une expérience locale et une expérience soit académique, soit institutionnelle, avec des hauts fonctionnaires qui sont des personnes extrêmement brillantes, et je ne dis pas ça parce que tu es là, on réussit en fait à élaborer du commun et faire évoluer aussi comment est-ce qu'on fait rentrer par exemple un quartier politique de la ville dans un parcours, y compris d'excellence, en tenant compte des particularités de ces quartiers-là. Et je pense que c'est important parce que on ne peut pas s'enfermer dans la caricature. Dans la caricature de se dire que les destins sont exclusivement liés au capital culturel des parents, au capital financier de la famille, à ce que Bourdieu décrivait dans Les Héritiers. Il y a aussi des enfants qui, entre guillemets, échappent à leurs conditions, et certains qui pourraient le faire, mais qui ne le veulent pas, parce que finalement, ce n'est pas une aspiration dans leur vie, et c'est aussi très bien. Mais on est construit aussi sur cette idée de la réussite, qui est véhiculée aussi par l'école, qui fait que quand on ne correspond pas aux codes et aux normes qu'on impose comme symbole de la réussite, celles et ceux qui ne s'inscrivent pas sont considérés, entre guillemets, comme des ratés. Et ça, c'est très destructeur pour un quartier, c'est destructeur pour une famille. Et je pense que c'est aussi un frein sur un élan collectif qui fait qu'on oppose des territoires plutôt que d'aller sur un travail partagé. Dans ce quartier-là, il y a ce qu'on appelle une microfolie. Une microfolie qui s'est dotée d'un Fab Lab. Un Fab Lab qui a lancé un concours de codage auquel ont participé des jeunes, adolescents pour certains, d'autres un peu plus âgés, mais qui avaient cette passion d'avoir appris par eux-mêmes la question de produire des applications. Donc il y a un concours d'applications qui a été lancé dans le quartier. Le lauréat de cette application aujourd'hui a été embauché, a produit une application que très certainement beaucoup d'entre vous connaissent et utilisent, et qui n'est pas né de l'académisme, on va dire, de production de ces applications-là. Il est simplement lié parce que cet enfant a appris à coder en dehors de l'école et en dehors des compétences académiques que donne l'école. La question qui se pose, c'est que dans cette même microfolie, des mamans qui sont dans ce quartier-là ont organisé une sortie au musée du Louvre. Pour aller au musée du Louvre, donc ce sont des mères qui, évidemment, ont les enfants scolarisés dans le quartier, la première étape a été de visiter le Louvre virtuel avec quelqu'un qui leur expliquait l'œuvre qu'ils regardaient en trois dimensions.
on peut le faire aujourd'hui, y compris de l'autre bout de la planète. L'issue et la continuité de cette expérience, ça a été d'emmener ces mamans, avec leurs enfants, au Louvre, pour faire une visite. La réaction de ces mères, d'après ce que me racontait l'animateur de quartier qui a fait cette expérience-là, c'était que d'abord, c'était extrêmement compliqué de pénétrer le Louvre parce que ça reste un lieu qui est difficile d'appréhender quand on a été éloigné, que nous n'y avons jamais été, parce que oui, ces lieux de culture qui sont peut-être naturels pour une personne qui habite le 5e arrondissement offrent aussi des barrières culturelles, psychologiques, de l'appréhension d'y aller si nous n'y sommes pas initiés, si nous n'y sommes pas invités et s'il n'y a pas une préparation pour y aller. En tout cas, c'était ce que témoignaient ces mères de famille et leurs enfants. Le résultat, c'est que non seulement ces gamins ont produit des applications qui aujourd'hui sont grand public, mais y compris ces mères ont entrepris de créer une association qui emmène régulièrement les mères, mais aussi les jeunes, dans des visites de lieux culturels qui, pour l'école, quand les enseignants veulent emmener les enfants, s'apparentent à une expédition Koh-Lanta. C'est-à-dire, il faut voir les horaires de bus, de RER, les accompagnants scolaires, pas de polémique ce soir. Il faut aussi faire en sorte que on fasse le retour à l'heure, prévoir le déjeuner et prévoir aussi les peurs qui sont inhérentes aussi à ces voyages-là, parce que c'est un vrai voyage pour ces enseignants-là et c'est une préparation extrêmement longue qui se met en place. Ce qui ne serait pas une préparation extrêmement longue aussi si on habitait clairement en face d'un musée. La question qui se pose, c'est que la culture, elle n'existe pas que dans les lieux symboliques. Elle existe aussi à proximité de ces quartiers. D'ailleurs, ces quartiers-là, cette question se pose dans la ruralité, quand on doit prendre des cars pour aller au musée qui est dans la ville un peu lointaine, parce que c'est la ville, fait qu'on nie aussi la culture qui existe dans ces quartiers-là et qui n'est pas forcément valorisée par l'école, parce que en fait, les enfants, quand ils doivent répondre aux critères académiques d'évaluation, en fait, ils ne sont pas interrogés sur ce qu'ils sont, mais ils sont interrogés et ils sont évalués sur ce qu'on attend d'eux. Et ce qu'on attend d'eux ne correspond pas, en fait, à ce qu'ils sont. Il ne correspond pas nécessairement à ce qu'on leur transmet. Il correspond davantage à des critères qui ne correspondent pas forcément à ce sur quoi ils vont être sélectionnés. Je suis d'accord avec vous, mais une fois qu'on s'est émancipé des contraintes pratiques, vous parliez du trajet de transport, de la possibilité du coût, une fois qu'on est au Louvre, qu'on prend le temps, qu'on est bien accompagné par un mentor ou un guide qui peut nous commenter pour ne pas qu'on soit simplement passif devant une œuvre, on est finalement tous égaux, qu'on habite dans le 16e, dans le 10e ou en Seine-Saint-Denis. Alors mon propos n'est pas tellement d'opposer les catégories sociales et les territoires, c'est pas tellement mon propos, je ne suis pas dans ces rapports-là. Pardon ? Si vous le comprenez comme ça, c'est que je m'explique mal, c'est bien possible, hein, et je vous donnerai la parole, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est vrai que par exemple, il y a eu d'ailleurs, ça a été dans la presse, il y a des élèves à un bout de la Seine-Saint-Denis qui ont fait une visite au musée d'Orsay et qui ont été contrôlés à la gare des RER et qui ensuite ont été suivis par les agents de sécurité tout le long de leur périple au musée d'Orsay, et ça a d'ailleurs posé des vrais problèmes, y compris au sein de l'éducation nationale, parce qu'effectivement ça posait un véritable problème sur l'accès aux droits et sur la façon dont on traitait des enfants qui portaient sur eux le stigmate de l'habillement et des codes vestimentaires, donc et aussi des codes de langage qui n'étaient pas ceux auxquels ils étaient habitués. Ça, c'est pas moi, c'est la vraie vie. Donc, mais pour autant, peau, c'est ce que vous voulez dire. Pour autant, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas moi, c'est la vraie vie. Je suis désolé. Le truc, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que aller dans un musée est un acte éducatif. Ce n'est pas une sortie comme une autre. Et en cela, ça bouscule l'école qui ne répond pas à deux enjeux. D'abord, il me semble, évidemment, ce que je discute, c'est que l'école n'est pas faite pour les enfants les plus fragiles. Je donnais l'exemple de Parcoursup, hein, et je donne aussi les enfants qui sont éloignés des canons académiques de la connaissance sur lesquels ils sont évalués. Et il me semble qu'aujourd'hui, l'école doit inverser sa grammaire. C'est-à-dire qu'elle doit d'abord s'organiser pour les enfants les plus fragiles, car si elle s'organise pour les enfants les plus fragiles, alors elle s'organisera aussi pour les enfants qui vont bien. Et c'est bien en cela que la question de l'altérité et la question du soin dans l'école devient une question qui est centrale dans son fonctionnement.
Quand je dis ne pas prendre soin des enfants, c'est par exemple ces enfants, je vais donner l'exemple des enfants porteurs d'handicap, qui nous savons nécessitent d'une AVS pour pouvoir avoir une scolarité normale, mais l'AVS est plus considérée comme une aide hygiénique plutôt comme une aide éducative encore aujourd'hui au sein des écoles. Et ça, c'est un vrai problème car il n'y a pas la dimension éducative de ce personnel qui sont des auxiliaires des enseignants. La deuxième question, c'est que l'école aujourd'hui ne répond pas non plus aux enjeux auxquels sont confrontés nos enfants. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la réforme du lycée pour être vraiment très concret. La réforme du lycée a mis en place les spécialités pour les lycéens. On sait que les lycéens, notamment la génération Thunberg, s'est extrêmement mobilisée sur les questions d'environnement et de développement durable et de réchauffement climatique. Et la seule spécialité qui étudie ces questions-là de façon disciplinaire est réservée au lycée agricole. Et le lycée agricole ne dépend pas de l'éducation nationale, il dépend du ministère de l'Agriculture. La question, c'est qu'aujourd'hui, les réformes, évidemment qu'elles sont nécessaires, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas réformer, mais c'est qu'elles ne permettent pas aux enfants, à nos enfants, d'avoir les outils, en termes de connaissances, mais aussi en termes de savoir, pour leur permettre de s'affronter aux enjeux auxquels ils sont confrontés, et dont d'ailleurs, tout à l'heure, Corinne Lepage expliquait, c'est-à-dire qu'on leur livrera un monde. Nous appartenons, je pense, peut-être que, moi j'ai 46 ans, je pense, peut-être que j'appartiens à la dernière génération qui avons été un peu percés par Balavoine, Coluche, etc., c'est-à-dire qu'on nous proposait de changer le monde. Et il nous semble qu'aujourd'hui, le propos, ce n'est pas tellement que les nouvelles générations changent le monde. Il faut que l'école leur permette de donner des outils pour sauver le futur. Et je pense que tout le débat sur les algorithmes se pose là. Comment est-ce que nous utilisons les savoirs et les connaissances pour permettre aux enfants d'avoir les outils suffisants pour pouvoir sauver le monde que nous leur léguons, non pas à travers l'irrationalité des fake news ou pour aller se soigner, on choisit un profil Facebook, mais vraiment, quand on est malade, on va voir un médecin. Et bien, quand on veut enseigner, pardon, quand on veut être éduqué, on va voir un enseignant et on ne va pas voir une application qui robotise, automatise le métier d'enseignant, le prolétarise et transforme, bon an, mal an, et je conclurai là-dessus, un enseignant qui n'est plus un métier, mais qui devient un emploi. Et quand on est dans un emploi, alors la porte à l'automatisation et à la robotisation est ouverte, la porte à la commercialisation est ouverte, comme les vacances apprenantes de cet été, où aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, et je conclurai sur cet exemple-là, a labellisé le groupe commercial Auchan pour faire les vacances apprenantes, c'est-à-dire que les enfants fassent du français et l'anglais dans un centre commercial. Et ça, c'est dans la presse, c'est pas moi qui l'invente. Merci beaucoup, Rodrigo Arenas. Au revoir à Corinne Lepage, qui doit s'en aller, je crois. Merci beaucoup pour votre intervention. Un mot peut-être, Maëlle, Victor et Anne, sur ce qui a été dit à la fois au niveau du secteur financier et éducatif sur la refonte de ces algorithmes, en tout cas de la réappropriation de ces savoirs-là. À la fois à l'école, de la maternelle à l'université, ou dans le secteur financier, comme vous voulez. Maëlle. J'ai pas. Ah oui, bah, en fait, j'ai pas. J'ai rien de spécifique à dire, mais simplement, j'avais été interpellée simplement par deux choses. Enfin, le lien entre vos deux interventions sur le fait de... oui, voilà, Madame Mercadal posait la question de savoir comment bien utiliser les outils en affirmant la conviction selon laquelle il est possible de bien les utiliser et à l'inverse, Rodrigo Arenas signalait effectivement les dégâts qui ont pu être produits par l'algorithme Parcoursup et du coup je voulais juste ajouter là-dessus, je pense que l'enjeu c'est aussi donc non seulement de bien utiliser les outils mais aussi de comprendre comment ils fonctionnent et de les transformer. Et ça va avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'idée, comment est-ce qu'on peut en fait mettre ces outils au service précisément de la capacité à décider et à choisir quand on voit que le calcul tend à court-circuiter les processus de décision, par exemple dans ces logiciels-là. Et je pensais simplement en vous écoutant on sait que la manière dont les outils fonctionnent, les normes internes qui commandent le fonctionnement des outils configurent nécessairement les comportements et les pratiques humaines. Et donc l'enjeu, c'est de comprendre comment ils fonctionnent pour les transformer. Et je me disais typiquement dans le cas de cet exemple, on aurait pu imaginer quand on parle de recherche contributive, je ne sais pas, un projet par exemple qui aurait consisté à faire travailler plusieurs classes
de plusieurs lycées, collèges, etc., avec des informaticiens pour imaginer quel outil serait utile pour, je ne sais pas, orienter les étudiants et voilà, faire différents projets, mettre en relation bon, voilà, différents chercheurs, etc., et produire finalement un algorithme qui n'ait pas du tout les mêmes fonctions que celui que enfin que celle qu'il a actuellement. Voilà, c'est simplement ce que ça m'a évoqué, ces réflexions. Oui, moi je voulais reprendre un aspect qui est le concept de pharmacologie que Bernard a développé après Derrida, avec cette idée vraiment que les technologies sont à la fois poison et remède. Et bon, ça peut avoir un aspect descriptif, c'est-à-dire on constate que c'est ce qui se passe, mais c'est aussi une manière de stimuler l'intelligence. C'est-à-dire que quand on voit une technologie, on ne se dit pas c'est une panacée qui est parfaite et qui va nous faire que du bien, et on ne se dit pas non plus c'est quelque chose qui est absolument mauvais et dont on va se débarrasser. Et par exemple, dans le travail qu'on fait en Seine-Saint-Denis sur la question de la toxicité des écrans sur les enfants en bas âge, on utilise aussi les écrans dans cette affaire-là. Alors, par exemple, on regarde des petites vidéos, mais après on les commente, on les discute en fait. Pour 10 minutes de vidéo, ça fait une heure et demie de discussion. Donc c'est aussi une manière de réapprendre à regarder une vidéo, regarder en regardant d'abord et ensuite en discutant, en conceptualisant. Et ça, c'est vrai d'une petite vidéo comme de la question des réseaux sociaux. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on peut prendre n'importe quel réseau social et en faire quelque chose de positif. Par exemple, Facebook est vraiment un problème. Mais par contre, la question de se mettre en réseau sur Internet et de discuter sur Internet est vraiment très importante, notamment lorsqu'il s'agit, par exemple, de chercher en commun quand on est aux quatre coins de la planète. Donc c'était pour aller un peu dans votre sens. Et pour répondre à Rodrigo, mais pour aller aussi un peu dans votre sens, une autre expérience donc lancée par Liri et Bernard Stiegler est celle qui va commencer à la rentrée d'utiliser Minecraft pour modéliser la ville dans des collèges. Et afin notamment de permettre aux collégiens de se réapproprier donc déjà leur ville, mais en plus leur ville qui va être transformée de manière très importante par les Jeux Olympiques. Et donc l'idée ici, c'est aussi, pour faire la connexion avec tout de suite, de réapprendre à jouer, c'est-à-dire que jouer, c'est pas juste être devant son écran à jouer tout seul. Mais jouer, c'est aussi, dans ce contexte-là, apprendre des choses sur la ville, sur l'urbanisme, sur le développement durable, sur les écosystèmes qu'il y a dans la ville, etc. Et donc, c'est, in fine, prendre soin de sa localité, en l'espèce de sa ville et de Saint-Denis. Voilà. Et de la Courneuve aussi. Parce que ça commence à la Courneuve. Juste, je voulais revenir très vite par rapport à une remarque que tu avais fait, Rodrigo, par rapport au fait que les jeunes générations ont moins accès aux savoirs liés plus à l'environnement, par exemple. Du coup, c'est plus un enjeu qui est moins de l'ordre des outils, mais de l'ordre de l'épistémologie, en tout cas, genre de modèles de vérité qui fondent ainsi les modèles éducatifs. Effectivement, il y a ce problème, et en fait, on n'a plus la confiance dans les savoirs dont parlait Corinne Lepage, qui est partie. On n'a plus les confiances dans les savoirs, les jeunes générations dans les écoles, parce qu'ils sont totalement inadaptés face aux enjeux actuels. Et en fait, c'est qu'ils n'ont pas intégré certaines réalités scientifiques. La première, qui est la question des limites. Et en fait, lorsque au lycée, par exemple, même pas au collège, si je me souviens bien, la première chose que l'on apprend comme règle scientifique, c'est la gravité. La loi de l'entropie, en fait, qui est la question des limites, du fait que l'énergie se dissipe et que la matière se dégrade, ça, on nous l'a jamais enseigné. Et pourtant, c'est le cadre épistémologique qui pourrait nous permettre aussi un peu mieux de
d'être plus adapté face à la les catastrophes qui nous arrivent dessus du fait justement d'un refoulement de cette découverte. C'est une découverte thermodynamique qui est aussi démontrée que la gravité de Newton, mais qui est juste pas assez enseignée. Mais au-delà de ça, je pense qu'ainsi, d'une certaine manière, il faut aussi... Il s'agit de genre de pour refonder le crédit dans le scolaire, il faut aussi un peu financer ces recherches dans de nouveaux savoirs par rapport à ces nouveaux enjeux. Du coup, que le crédit puisse recréditer un peu l'institution scolaire. Voilà. J'ai déjà parlé, moi. Merci, Victor. On a parlé de beaucoup de sujets, l'éducation, la philosophie, les sciences, et maintenant la finance. Philippe Zavoiti, dotez-vous d'un micro, je pense qu'il en reste un ici. Vous dirigez Mirova, donc, qui est très sensibilisée aux enjeux à la fois climatiques, mais également de la biodiversité. Et ça, c'est vrai que c'est moins pris en compte actuellement dans les institutions, parce que c'est très difficile de pouvoir quantifier et mesurer le vivant pour les raisons qu'on a évoquées, contrairement au climat qui relève plus de paramètres physiques, physico-chimiques. Vous, quels seraient les outils ou les projets que vous pourriez ou êtes en train de développer, à la fois au niveau de la mesure, d'instaurer des quotas, des indicateurs, comme ça se fait pour le climat, ou bien encore au niveau des normes? Comment vous appréhendez justement cette transition? Alors bon, désolé, je vais vous faire redescendre de 2-3 crans. je ne sais pas si parler finances dans ce contexte-là, ça, c'est vraiment pertinent, mais c'est important. Alors quelques réflexions peut-être quand même sur ce que j'ai entendu sur ces sujets de utilisation de la technologie, notamment dans la finance. Moi, j'ai commencé à travailler dans la finance en 89-90. Et je l'ai commencé en tant que, on appelait ça gérant quantitatif. Donc ça, c'est assez, déjà ça dit pas mal de choses, c'est-à-dire que l'idée c'était précisément d'utiliser des modèles mathématiques, des modèles quantitatifs, donc des outils, pour prendre des décisions financières et pour, disait-on, améliorer la pertinence des décisions que l'on prenait. Je me souviens des premières réunions que j'ai faites avec des investisseurs, où on allait expliquer aux investisseurs, et j'y croyais beaucoup à l'époque, que nos modèles permettaient d'éliminer toute émotion humaine du processus de décision, parce que l'émotion humaine dans le processus de décision financière impliquait... de prendre des décisions erratiques, d'être beaucoup trop influencé par des éléments externes, exogènes, court terme, et qu'en modélisant tout cela, on allait complètement éliminer ces problèmes d'émotion, et donc on allait prendre les bonnes décisions. Et donc, ça s'est développé évidemment de façon très importante pendant les deux décennies qui ont suivi, la décennie 90 et puis même le début des années 2000, pour aboutir finalement à la crise financière que l'on a connue en 2007-2008, où qu'est-ce qu'on a observé au moment de cette crise financière? C'est de la complexité excessive des produits qui n'étaient plus compris par pratiquement personne, y compris au sein même des institutions financières. Hein. Je me souviens de comités là où on était 30 autour d'une table et où quelqu'un, c'était au moment 2007-2008, où un gérant venait nous... C'était un comité produit où on décidait la création de nouveaux produits, puis un gérant vient nous présenter un fonds qui investissait dans des CDO Square. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne cherchez pas. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie, personne n'y comprenait rien, il y avait 30 personnes autour de la table, moi je comprenais à peu près de ce dont il s'agissait, et au bout de la fin de l'exposé, les 30 personnes autour de la table ont dû voter pour dire si oui ou non il fallait lancer le produit, et tout le monde a levé la main,
comme un seul homme en disant « oui, pas de problème, on y va ». Il y en avait 28 sur 30 qui ne comprenaient absolument pas ce dont on parlait, en tout cas pas de façon précise. Donc on a abouti à cette surcomplexité, cette suropacité et cette technologie débordante qui fait qu'on ne comprenait plus très bien ce qu'on faisait. Avec évidemment aussi des... soit pour des choses qu'on pensait être bien, soit pour de la finance, typiquement l'extrême étant le trading de haute fréquence où on fait des opérations à la microseconde et où, pour réussir à faire ces opérations, l'essentiel est de trouver un terrain où on positionne son ordinateur et que ce terrain soit le plus proche possible de l'ordinateur de la bourse, du centre boursier, puisqu'en fait, ce qui va compter, c'est le temps d'échange d'informations entre l'endroit où on positionne son ordinateur qui va prendre une décision et celui du centre boursier. Et donc, là, on n'est plus en train de maximiser de la connaissance ou de l'intelligence, mais simplement de diminuer la distance physique entre les deux ordinateurs qui vont permettre de générer ces opérations et de gagner de l'argent. Voilà vers quoi on a abouti. Et on a du coup, en faisant ça, d'une part, complètement transformer le métier de la finance, c'est-à-dire complètement oublier les fondements initiaux du fonctionnement du métier de la finance, et notamment de l'investissement, qui consiste pour un investisseur à faire confiance à quelqu'un qui porte un projet, qui est la base même de la finance depuis toujours, qui est de dire, voilà, un porteur de projet a besoin de financement, et un financier vient transporter de l'argent dans le temps en lui faisant confiance. Cette relation de confiance a complètement disparu et elle s'est effectivement complètement mécanisée dans ces outils-là. Voilà un peu le... Alors oui, et puis dernier élément aussi de cette technologie, et très très important aussi, c'est que pour permettre ce développement d'outils techno et quantitatifs, il a fallu aussi simplifier et modéliser la théorie financière derrière. C'est-à-dire que on ne peut pas déconnecter cette utilisation des outils de toute la modélisation sur l'homo economicus et sur la rationalité des décisions et sur les marchés dits efficients, c'est-à-dire que le marché va déterminer son prix et que c'est le bon prix qui va être déterminé par le marché. Donc cette croyance dans le marché efficient, elle était indispensable pour mettre en place ces outils. C'est-à-dire que parce qu'il s'appuyait sur cette théorie-là. Et donc en fait, d'un côté, on a une hyper-technologie, mais dans un autre côté, elle s'appuie sur des théories dont progressivement on a compris qu'elles étaient fausses. Peut-être pas au démarrage, mais de façon évidente, à un moment donné, on sait très bien que les théories de la rationalité des marchés, de l'efficience du marché, de l'économie sont absurdes et qu'elles ne sont basées sur aucune réalité. Et pour autant, les outils qu'on utilise continuent à s'appuyer sur ces théories. Et donc, il n'y a plus d'échange entre la théorie sous-jacente et l'outil. Et l'outil vient complètement remplacer la théorie sous-jacente et l'élimine en quelque sorte. Voilà, en gros, en quelque sorte, quelques réflexions sur comment j'ai vécu, moi, personnellement, cette évolution. Et c'est vrai que, du coup, la crise de 2007-2008 a été, moi, en ce qui me concerne, un peu un élément, un choc absolument violent, parce que... d'un côté, ça a été un choc comme tous les gens qui ont été dans le monde financier, parce que c'était une espèce de responsabilité finalement. On a été, il faut bien le reconnaître, pestiféré en quelque sorte. Hein, je veux dire, travailler dans la finance en 2007-2008, c'est pas simple. On ne le dit plus dans les dîners en ville. Hein, je veux dire, il y a eu un moment où on en est là. Hein, on ne dit plus qu'on. Et donc un choc violent et en même temps un double choc pour moi, dans le sens où je me dis finalement tout ce corpus, toute cette technologie qu'on a apportée, cette mathématique qu'on a apportée dans le métier, aboutit à ça, aboutit à cette opacité, aboutit à cette catastrophe, en quelque sorte, finalement, du métier financier. D'où la volonté de le réinventer et de revenir aux fondamentaux et de se dire il faut redonner du sens à ça et donc réintroduire tous les notés. De quelle manière, une fois qu'on a constaté, qu'on a conçu des outils qui étaient un peu démoniaques, comme vous le soulignez, on le constate et qu'est-ce qu'on fait du coup ? Alors, d'une part, on revient à de la simplicité, on revient à de l'investissement qui consiste, encore une fois, à essayer de comprendre les projets, à les comprendre sur le long terme.
et à identifier de façon plus précise les impacts environnementaux et sociaux. Et donc, on réinvente une finance qui est une finance qui n'est pas une finance révolutionnaire au sens où elle ne met pas complètement de côté le marché en tant que tel comme un élément constitutif, mais qui va essayer de comprendre les enjeux environnementaux et sociaux, qui va apporter des... Qui va, allouer... Ça veut dire des produits d'épargne verte. Ça veut dire investir... Ça veut dire, puisqu'on en parlait tout à l'heure dans la table ronde finance, ça veut dire, quand on parle de vivant, investir dans l'agroécologie, par exemple. Ça veut dire investir dans le capital naturel, investir dans tout ce qui tourne autour de la reforestation, la réhabilitation des écosystèmes, la réhabilitation des terres, et essayer de trouver dans ces éléments-là des modèles économiques et financiers qui fonctionnent. Ou, s'ils n'existent pas, les fabriquer, les inventer, parce qu'ils n'existent pas forcément au démarrage. Mais avec de l'ingénierie... Et c'est là où, à nouveau, on remet de la technologie et de l'ingénierie financière, parce qu'on se dit, finalement... Il peut y avoir une partie de cette ingénierie financière qui peut être utile. Et donc, on va inventer des produits financiers en mixant de l'argent public et de l'argent privé, en prenant de l'argent public pour garantir, dérisquer des projets, pour pouvoir attirer ensuite de l'argent privé, y compris dans des géographies comme les pays émergents, sur de la restauration des terres, sur des actifs qui apparaissent comme étant, au démarrage, quasiment impossibles à financières qui se développent. Très peu sont orientés sur les sujets environnementaux et sociaux et d'investissement à impact et d'investissement responsable. Relativement peu. C'est assez minoritaire. Et aujourd'hui, finalement, tous les investissements technologiques et des institutions financières, des banques, sont quand même essentiellement tourné sur la centricité client, sur comment je comprends le data mining, donc big data autour de la compréhension des comportements clients, et assez peu sur finalement comment on maximise l'impact environnemental et social de nos investissements. Et donc là, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour essayer de développer aussi des outils qui... Mais l'un ne va pas sans l'autre, la dimension sociale et personnalisée du client n'est pas incompatible avec celle de... Non, bien sûr. Non, mais avec la problématique écologique. Quand je dis centricité client, je ne pense pas forcément social. Je pense, c'est quel produit vendre à tel client, etc. Donc non, le social et l'environnemental sont complètement imbriqués. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et d'ailleurs, c'est, comme je le disais dans l'introduction, Marie Toussaint, c'est aussi votre démarche, la justice sociale et climatique, et aussi pour la biodiversité. Alors, quel regard portez-vous sur... cette révolution, enfin pas révolution, mais transition numérique qui a incorporé aussi vos métiers, j'imagine, au niveau politique. Est-ce que, par exemple, à travers les acteurs du terrain, que ce soit éducatif ou financier, quel dialogue vous entretenez avec ces personnes-là ? Alors, d'abord, bonsoir, merci. Merci à l'ensemble des intervenantes et des intervenants qui ont parlé avant moi. C'est riche. Et du coup, c'est vrai que le lien avec mon domaine d'activité à moi est peut-être un petit peu détourné, mais en tout cas, un grand merci d'avoir organisé ce débat. Et surtout, moi, j'aimerais revenir à Épistémologie de la catastrophe, mais aussi au livre collectif piloté par Bernard Stiegler qui était bifurqué. Et peut-être pour dire que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une bifurcation profonde par rapport à tout ce qui avait été fait auparavant. Et donc je vous remercie beaucoup et pour ce livre et pour l'intitulé du débat de ce soir, parce qu'aujourd'hui bifurquer, c'est un impératif moral qui touche évidemment la question de notre rapport à la technique, qui touche la question de notre rapport au savoir, qui touche aussi, bien au-delà de cette question-là, à la question de notre volonté collective, de notre volonté politique, parce que, et c'est ce que on souligne beaucoup avec notre affaire à tous notamment, mais avec beaucoup d'autres et partout autour de la planète, il y a des choses que l'on sait. La critique du rapport à la technique, elle est vieille. Elle est vieille dans le monde des idées, elle est vieille aussi dans le monde syndical, elle est vieille en termes de critique de l'écologie, même si l'écologie politique, même pas forcément en termes de mouvement politique, mais aussi de courant de pensée, n'existait pas encore. Mais en tout cas, ce rapport critique-là, il est là depuis longtemps. Il devrait, il aurait dû nous habiter depuis longtemps, et il aurait dû nous permettre d'éviter de construire ces technologies qui, Corinne Lepage le disait tout à l'heure, pouvaient nous mettre tous ensemble en danger, mais pas que nous, aussi l'ensemble des écosystèmes, ce qui fait qu'on en a une plus grande responsabilité. Enfin bref, tout ça, on le sait depuis longtemps, et ce qui manque, et peut-être je vais revenir à la question du numérique, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est véritablement la volonté politique.
Et je prends un exemple, quand on a lancé l'affaire du siècle, ce qu'on a dit, c'est non seulement on savait, mais en plus de ça, on a pris des engagements dans la loi en matière d'engagements internationaux, d'engagements nationaux. On a souhaité ne pas tenir ces engagements. Ce n'est pas une question d'absence de savoir, ce n'est pas une question d'absence de connaissance, même si on fait la distinction entre les deux termes, c'est une absence de volonté politique. Et je peux vous donner plein d'exemples si vous le souhaitez, mais je crois que ce n'est pas tout à fait le débat de ce soir, qui montrent qu'effectivement les choix qui ont été faits sciemment dans le sens d'une continuité de la destruction du climat. Et même quand on regarde le fait que les émissions sur le territoire français aient diminué, on a tellement augmenté les émissions qu'on a délocalisées, les émissions qu'on importe pour notre consommation, qu'aujourd'hui, dans la réalité, les émissions de gaz à effet de serre de la France comme de l'Union européenne sont peu ou prou stables depuis 1990. Et moi, enfin, c'est ce que je dis beaucoup, je dis je ne suis pas très vieille, je ne suis pas très jeune non plus, je suis née avec le GIEC. Le GIEC a été créé en 1988, c'est donc la date à laquelle les scientifiques et les États du monde entier se mettent d'accord pour dire qu'il y a urgence à agir. Et depuis au moins ce moment-là, on aurait pu se décider à agir. Ça a été, là aussi, comme toutes les sciences et toutes les techniques et les sciences sont politiques. Donc il y a eu un accord politique sur à la fois les méthodologies qui nous permettaient de nous mettre d'accord sur comment fonctionnaient les schémas climatiques. Et voilà, l'accord il a été à la fois politique et scientifique. Mais ce qu'on est en train de trouver aussi en ce moment, et il y a eu une grande enquête de Nathaniel Rich publiée l'année dernière, ou il y a peut-être même deux ans d'ailleurs, qui s'appelle Perdre la Terre, qui est un enquêteur qui a publié une immense enquête au New York Times, qui a ensuite été traduite en français, qui montre bien que dans les années 70, ce choix était là sur la table et que le choix d'agir pour le climat, de décider de sortir des énergies fossiles, il n'a pas été fait. On a fait le choix de la continuité, tout comme on a fait le choix de la continuité des pesticides et de tas d'autres produits toxiques, pour reprendre les termes qui étaient utilisés tout à l'heure. Mais au-delà de Nathaniel Rich, quand on creuse aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les grandes multinationales du pétrole, du charbon et aujourd'hui du gaz savaient depuis déjà les années 60. Et peut-être même que les Françaises étaient parmi celles qui savaient le plus tôt. Et du coup, je trouve qu'avant de poser la question du numérique, de reprendre cette question-là et de se dire finalement, on pouvait déjà disposer des savoirs et des connaissances, mais en fait, il y a toujours la question de pourquoi on produit ce qu'on produit comme savoir et comme connaissance, et qu'est-ce qu'on décide de faire et de faire ensemble de ce qu'on produit comme savoir et comme connaissance. Et donc ça, pour moi, peut-être pour faire le lien, c'est ce que je trouve le plus important. Et sur la question des algorithmes, mais au-delà de ça, des technologies du numérique, pour moi, il y a différentes catégories d'activités qui sont quelque part responsables à la fois de la dégradation de la planète, mais aussi de la détérioration des qualités, à la fois de vie humaine et de lien social. Je vous ai parlé des grandes multinationales du pétrole. Il faut quand même savoir qu'elles ne sont pas très nombreuses à être indirectement responsables, bien sûr, mais responsables quand même, de la plupart des émissions de gaz à effet de serre. On compte 25 entreprises responsables de 50% des émissions entre 1988 et 2015. Leurs émissions se sont démultipliées, se sont accélérées. Donc un nombre de moins en moins grandes entreprises a émis de plus en plus, est responsable de l'émission, pour être précise, de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas qu'elles, il y a aussi les entreprises de l'agroalimentaire. Et quand on regarde le rythme de la déforestation aujourd'hui, le fait qu'avec nos techniques qu'on utilise ici pour notre modèle agroalimentaire, qu'on utilise dans nos relations commerciales, les techniques aussi de reconnaissance de la propriété, j'y reviendrai plus tard, mais la question de l'acquisition des terres, de comment est-ce qu'on reconnaît les droits des populations à avoir accès à la propriété, le droit collectif, ou est-ce qu'on décide qu'on octroie les terres à des populations étrangères. Bref, je vais un peu vite. Mais globalement, c'est tout notre modèle et notre rapport aux sciences, à la technique et donc la manière dont on a organisé notre société derrière qui cause cette déforestation, qui cause des pandémies qui reviennent vers nous et devant lesquelles, je reprends de nouveau les mots de Corinne Lepage, dis donc c'est son soir, mais on est finalement bien dépourvu à l'aide des technologies qu'on a. Et la troisième catégorie d'entreprises, c'est évidemment les entreprises du numérique. Les entreprises du numérique, elles sont récentes, elles ont une consommation énergétique considérable, elles... Bon, je pourrais dire plein de choses, mais c'est surtout pour moi la question peut-être la plus profonde pour notre société, c'est la question du rapport aux données. Et ça, je trouve que ça a été relativement peu souligné ce soir, mais finalement, elles viennent nous piller nos données. Alors nous, on essaye de se protéger un petit peu. Et puis,
On leur dit, vous nous faites peur, mais en même temps, voilà, si on devait compter quels étaient les plus grands États du monde, bah, peut-être que Facebook serait l'État le plus peuplé du monde. Et donc, c'est là où ça pose aussi de nouvelles questions, et aussi sur notre rapport à ce qui fait notre collectif, ce qui fait notre être ensemble et notre agir ensemble. Et pour moi, de fait, la question de la construction des savoirs et des connaissances, elle est aussi beaucoup liée à la déconstruction de ce qu'on croit savoir. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, notamment quand on parle d'anthropocène et d'urgence climatique et environnementale. Et peut-être pour commencer, moi, ce qui me... Mireille Delmas-Marty, elle dit... donc la grande juriste Mireille Delmas-Marty dit, en fait, notre société, elle est enfermée dans trois dogmes. Le premier dogme, c'est évidemment celui de la croissance et du productivisme. Et c'est ce qui nous a amenés par des pulsions et des excitations. Moi, j'entends que dans le domaine de la finance, on voulait limiter les émotions. Mais enfin, je pense qu'il y a quand même quelque part une forme d'excitation qui gouverne un petit peu le monde de la finance et du trading, y compris encore aujourd'hui. Bon, mais en tout cas, ce modèle de la croissance et du productivisme, où tout le monde pense que plus on va produire, plus on va pouvoir répartir, plus on va pouvoir consommer, voilà, ça va être super. Et on voit bien qu'en fait, bon, ça bloque. La question de la souveraineté nationale, non pas qui a dénoncé, mais qui a complètement repensé, d'une part parce qu'on a des communs naturels territoriaux, locaux, autour desquels il faut qu'on s'organise, d'autre part parce qu'on a des communs naturels planétaires, l'air, les océans, l'Arctique, voilà, comment est-ce qu'on s'organise ensemble, aussi parce qu'il y a les communs de la connaissance, et désormais, avec le numérique, des communs de la connaissance qui transcendent complètement toutes les frontières qui ont pu exister auparavant, à la limite près, évidemment, de l'accès au numérique, également sur nos territoires, et de la censure, ça concerne d'autres territoires. Et puis le dernier dogme à déconstruire pour elle, c'est celui de l'anthropocentrisme, et j'y reviendrai aussi un petit peu, juste pour finir mon intervention, mais peut-être si ça m'interpelle par rapport aux questions du numérique, il y a aussi ça, et ça c'est vraiment une question, une perche que je vous tends, sur quand on repense ces algorithmes, etc., comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils puissent être non seulement construit dans un esprit coopératif et collaboratif, mais aussi comment on veille à ce qu'il soit déployé en harmonie avec le vivant. Et je trouve que ça, c'est assez important. Bon, mais voilà, ça, je vous ouvre cette question. Le deuxième point, évidemment, c'est celui du rapport à la technique tout court, parce que j'ai entendu un petit peu avant, et puis Mouri Boukchine le soulignait lui-même, mais il y a deux risques avec la technique. C'est un... Évidemment, l'idée de penser que de toute façon, la technique nous sauvera. Soit qu'elle nous sauvera tous, soit que comme on va réussir à construire des îles flottantes pour les super riches, ils pourront aller y habiter comme au large de Lagos au Nigeria, c'est pas de la science-fiction, comme Rodrigo tout à l'heure, c'est une réalité. Ou alors, ça c'est encore un peu de la science-fiction, de se construire des navettes pour aller dans l'espace. Bon, donc elle nous sauvera peut-être tous, la technique, peut-être seulement quelques-uns, mais enfin on peut avoir cette croyance-là. Alors que tout nous prouve qu'elle nous a pour l'instant détruits. Et puis, il y a une autre croyance dans la question de la technique, c'est qu'on puisse s'en débarrasser d'un revers de la main et puis revenir dans un temps ancien, imaginé, dans lequel peut-être tout allait bien et les rapports sociaux étaient égalitaires et puis voilà, on s'en sortait. Ou alors, il y a des gens qui en ont peur, mais enfin voilà, il y a ces deux tendances-là. Et dans ce cadre-là, on a besoin de repenser à quelle technique on veut. Quel savoir on veut, quelle connaissance on veut, et dans les savoirs qu'on veut, moi j'entends bien cette affaire de connaissance et de savoir. Ce qui m'interpelle un peu, c'est que je me dis quand même, quand je regarde Greta Thunberg et ses amis, mais quand je regarde aussi le rapport des jeunes à la question de l'égalité femmes-hommes, etc., je me dis qu'en fait, la rupture entre les générations, elle est peut-être vraie, mais elle n'est pas toujours dans le sens qu'on croit, d'une part, et d'autre part, il y a peut-être des trous, mais peut-être aussi à un moment des choses qui se passent, parce que sur la question des savoir-faire, moi en tout cas, quand je regarde les jeunes me parler de climat, ou me parler, savoir-faire, connaissance, je mets tout ça dans le même panier, mais quand je les entends me parler de climat, mais quand je les entends aussi, quand je les vois organiser leur rapport femme-homme, je me dis qu'en fait, là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer et que peut-être il y a aussi des savoirs et des savoir-faire et des connaissances que c'est très bien qu'ils ne se transmettent pas de génération en génération. Ma phrase n'était pas française, mais vous aurez compris, je faisais juste le petit aparté sur cette question-là pour finir, parce qu'après, je vais m'arrêter. Mais peut-être sur ce qu'on a au contraire à reconstruire.
Donc c'est pareil, je m'étais noté vachement plus de trucs à vous dire. Mais sur ce qu'on a à reconstruire, je crois que c'est la question du sens. La question du sens et la question du lien. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui le disent. Je crois que Bernard Stiegler a pu aussi avoir des propos qui allaient dans ce sens-là, voilà, dans ses écrits et dans ses interventions. Mais Michel Serres, dont on parlait tout à l'heure, a écrit un livre qui s'appelle « Le contrat naturel ». Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, et je crois que c'est un défi vraiment pour l'ensemble de notre civilisation. Comment est-ce qu'on passe d'un contrat social, et ça reprend ce que je racontais sur l'anthropocentrisme de Mireille Delmonti tout à l'heure, comment est-ce qu'on sort d'un contrat social où on organise tous nos rapports entre nous, selon ce qu'on accepte entre nous de céder ou non comme espace de liberté, d'égalité, et comment est-ce qu'on se dit on va aller... reconstruire un monde dans lequel ce qu'on recherche et ce qu'on met tout en haut de notre de nos règles de vivre ensemble, c'est ça qui a un pacte social, hein, mais c'est la question de l'harmonie avec la nature. Comment est-ce qu'on va déployer des activités qui vont respecter le besoin de la nature de se régénérer? Et en réalité, quand on parle de responsabilité, la responsabilité de l'espèce humaine, c'est évidemment de ne pas tout détruire, mais on parle de responsabilité, on parle de droits et de devoirs. Nous, on a des droits. On se dit qu'on a aussi des devoirs dans celui de protéger la nature. Mais à l'inverse, la nature, elle remplit tous ses devoirs. Il n'y a pas un endroit où on puisse lui dire qu'elle ne fait pas son travail. Et par contre, on ne reconnaît toujours pas ses droits. Et donc, pour moi, c'est vraiment sur cette question-là qu'il faut qu'on construise à la fois nos réflexions, qui sont absolument essentielles. On doit revenir sur des décennies, des siècles de philosophie, finalement, et à la fois nos actions, et qu'on les base résolument dans la bifurcation, voilà, profonde, pour reprendre la voie d'une planète viable et vivable. Merci beaucoup, Marie Toussaint. À nouveau, je laisse Maëlle réagir, ensuite Victor, et puis Anne, que je vois gratter depuis tout à l'heure. Je vais juste revenir sur un aspect qui est la perte de croyance dans l'idée que les marchés sont spontanément conduits à une situation efficiente. Parce que ce point est vraiment très très important d'un point de vue épistémologique, justement, du point de vue de la connaissance. En fait, cette idée, elle vient de modèles mathématiques. Elle est assez ancienne, en fait, pour monter au XVIIIe siècle, avec cette idée que par le jeu des différents intérêts, mathématiquement, on va obtenir une situation d'équilibre. Ce qu'il faut voir, c'est pas les aspects mathématiques dont je ne vais pas parler. Ce qu'il faut voir, c'est la conséquence de ça sur la pratique. Parce que dans ce cas-là, si on est dans une situation comme ça, il faut laisser libre ces intérêts-là et on n'a pas besoin de réfléchir au système, puisque le système va devenir spontanément optimal et efficient. À partir du moment où on perd cette croyance-là, on se retrouve dans une situation où, en quelque sorte, pour citer Nietzsche, Dieu est mort et on doit se débrouiller par nous-mêmes et donc réfléchir. On ne peut plus suivre les automatismes spontanés du marché. Et dans ce cas-là, il faut repenser l'économie, repenser la manière de compter, repenser l'investissement et ce qu'on défend dans le livre bifurqué, c'est que pour ce faire, il faut s'appuyer sur la science. La science est faite de controverses, hein, mais il y a des aspects qui sont très solides, dont l'importance des localités, que ce soit du point de vue physique, avec ce que j'ai dit sur l'entropie, qu'on peut limiter uniquement de manière locale, ou d'un point de vue biologique, c'est-à-dire que l'écosystème, par exemple, ici, n'est pas le même qu'en Bretagne, et n'est pas le même que dans un pays d'Afrique. Donc si on veut prendre soin de ces écosystèmes-là, il faut partir de ce qu'ils sont. Et c'est la même chose d'un point de vue social, c'est-à-dire que si on veut prendre soin de la population de Saint-Denis et que la population de Saint-Denis prenne soin de Saint-Denis, par exemple, il faut partir de ce qu'elle est. Voilà, c'est le point que je voulais soulever. Je passe à Victor. C'est pour répondre rapidement à ce que vous avez posé comme question par rapport à comment s'approprier les outils de manière collaborative.
Bah nous, c'est ce qu'on essaye de faire un peu dans l'idée que, en fait, Françoise, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il fallait utiliser les technologies digitales pour massifier les savoirs. Pourquoi pas, mais je pense qu'il s'agit avant tout quand même de refonder des communautés qui sont du coup plus locales, et en fait qui du coup se structure autour d'un projet commun et les outils qui peuvent en fait aider à ce projet commun. Et des outils du coup de partage de savoir, de diffusion de savoir, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos propres outils au sein de l'association, qui essaie de différer aussi les lois de standardisation de WhatsApp, de Facebook. Bon. En tout cas, ce projet d'économie politique alternative qu'on essaie d'élaborer, disons, avec l'association, et c'est pas une chose évidente, c'est sûr. En tout cas, elle part du constat que c'est pas qu'une question de manque de volonté, dont vous parliez tout à l'heure. Il y a certes eu des manques de volonté, mais ça n'appartient pas qu'au manque de volonté, c'est que surtout, il nous manquait un autre modèle de comment faire. C'est juste qu'on était coincé dans un modèle genre unique. On n'a pas cherché dans le sens vraiment voilà, dans le sens du mot de la recherche. Je mets la recherche qui est académique, qui a perdu son sens de chercher quelque chose d'autre. On n'a pas élaboré d'autres modèles et du coup il y a eu des mauvais choix qui ont été faits, certes, mais je pense qu'il ne faut pas se réduire à ça non plus, genre. Et d'où l'importance des savoirs pour fonder de nouveaux projets communs qui vont à contresens des désastres que l'on connaît. Genre. Bon, je ne sais pas si c'était très très pertinent, mais Anne pourra peut-être. Si, ben, merci. Non, je voulais essayer de répondre rapidement, revenir sur la perche que vous avez lancée, du coup, mais juste avant ça, rebondir sur ce que vous disiez au sujet de la volonté collective et de la volonté politique, parce que c'est aussi une question qu'on s'est beaucoup posée quand on a réfléchi à... quand on a écrit, quand on s'est rencontrés, qu'on a travaillé pour écrire le livre Bifurqué, justement, cette question, c'est au cœur, en fait, de l'introduction du livre. La question de la volonté et de ce paradoxe, quoi, qui consiste à dire que, en dépit des savoirs, en dépit de l'urgence, en fait, il n'y a pas d'action collective qui est mise en œuvre, etc. Et vous avez tout à fait, je comprends très bien ce que vous aviez dit, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une volonté pendant un certain temps, et c'est ce que décrivent aussi Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos dans leur livre sur l'événement anthropocène, de, disons, masquer un certain nombre de savoirs qu'on avait, il y a bien sûr, tout ça est tout à fait juste historiquement. Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en fait, on essayait dans cette réflexion de ne pas dissocier, nous, cette question de la volonté collective et la question de la question des technologies, dans la mesure où, en fait, cette volonté collective et politique, elle est possible à partir du moment où il y a une projection possible sur le long terme. Et en fait, il y a une distinction importante, je pense, à faire entre le court terme et le long terme. Là, même sur ce qui a été dit auparavant, sur l'investissement et sur le crédit, sur la capacité en fait à faire confiance à des acteurs sur le long terme pour mener un projet, ou bien à agir de manière spontanée dans une espèce de court-termisme. Et en fait, le problème, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est aussi les phénomènes les travaux qui ont été menés sur la gouvernementalité algorithmique, notamment, c'est-à-dire sur le fait que, en fait, les algorithmes vont générer automatiquement des profils, puis ensuite suggérer à des individus ce qu'ils doivent désirer. Donc, en fait, on empêche, en quelque sorte, on court-circuite le temps où les individus pourraient élaborer collectivement des désirs, construire une volonté collective, parce qu'en fait, on les soumet à un régime pulsionnel, en fait, que vous avez décrit tout à l'heure. Donc, je pense que, c'est important d'articuler cette question. La volonté, elle est aussi détruite par le fonctionnement de certaines technologies. Et donc, comment faire pour que ces technologies fonctionnent autrement, pour que, en fait, elles soient productrices de volonté collective, de savoir collectif. Donc voilà, simplement, je voulais vraiment relier, parce que c'est quelque chose de très important aussi dans ce livre, l'idée selon laquelle les capacités psychiques, les capacités à se projeter, les capacités de volonté, sont liées aussi au milieu technique dans lequel on vit. Et que voilà. Sur la question de
comment développer ces technologies en harmonie avec le vivant, ces technologies numériques en harmonie avec le vivant. En fait, je voulais juste ajouter, l'idée générale, c'est de dire aussi que si ces technologies sont pas seulement mises en œuvre au service de l'économie des données, c'est-à-dire, parce qu'en fait, l'économie des données sert essentiellement des fins consuméristes, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même de faire consommer les individus, et en consommant, c'est une autre logique, encore une fois, c'est une logique court-termiste, et l'idée, c'est que si on les met au service du partage des savoirs, normalement, vont pouvoir se reconstituer du sens et du lien, etc. Et en ce sens-là, on peut imaginer que de nouveaux savoirs soient développés pour précisément développer ces techniques en harmonie avec le vivant. Après, mais en tout cas, c'est une réponse que je voulais apporter. Et simplement sur la question du droit, effectivement, des droits de la nature, des droits attribués au vivant et tout ça, je pense que c'est une grosse question. Et je voulais juste dire aussi, la question du droit aussi, là, bien toujours la relier aussi à les conditions techniques de possibilité du droit. C'est-à-dire que le droit, il est aussi lié à un régime, d'écriture particulier qui a été complètement modifié avec le numérique et qui crée des bouleversements incroyables. Et notamment, il y a cet article assez connu d'un juriste qui s'appelle, je ne me souviens plus du nom, c'est Lawrence Lessig, je crois, qui s'appelle Code is Law, l'article, qui décrit en fait comment les lois ne parviennent plus à faire droit en raison du fonctionnement des technologies qui les court-circuitent en fait. Et donc, comment reposer la question du droit dans ce régime-là et comment faire quelque chose que moi je suis complètement incapable de faire, mais l'histoire du droit et la manière dont le droit s'est développé avec telle ou telle technologie d'écriture et comment, il y a un problème aujourd'hui, un court-circuit entre des développements technologiques sur lesquels les lois ne parviennent plus à avoir prise. Et je pense que ça, c'est une question très importante aussi pour repenser le droit aujourd'hui et pour penser aussi un droit qui puisse précisément préserver les intérêts, entre guillemets, du vivant. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Je voulais juste reprendre 2 minutes la parole parce que pour remercier Bernard Stiegler, parce que je crois que ceux qui sont très proches de lui là, ont la pudeur de ne pas en parler directement, mais je voudrais juste dire aux gens qui n'ont pas eu la chance de le côtoyer que cet homme, cet être humain est vraiment profondément extraordinaire, qu'il nous laisse des livres complexes à lire. Sa pensée est complexe, mais elle est extrêmement solide et très précise. Et je pense qu'il faut le lire, il faut avoir le courage de le lire. Et puis le souhait que moi j'aurais, c'est qu'il soit enseigné et que justement ce corpus de savoir qu'il a constitué, unique, exceptionnel, il faut absolument qu'il soit transmis. Beaucoup d'entre vous s'y attellent, mais je pense que c'est extrêmement important pour l'évolution de la pensée humaine et pour notre avenir à tous. Voilà. Pour tenter de reboucler la boucle, je vais revenir à ce qu'on disait dans l'introduction, à savoir que Bernard Stiegler et vous réfléchissiez à des modèles pour réintégrer la part de l'aléatoire et de l'incalculable, parce qu'on se rend compte que, ne serait-ce que là, le Covid, je ne sais pas comment il faut dire maintenant, cette zoonose qui a émergé a totalement échappé à tous les modèles épidémiologistes, les modélisations des phénomènes émergents, ou bien l'Arctique qui est en train de fondre. On se rend compte aujourd'hui que l'Arctique a perdu en surface beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Donc on se rend bien compte que le pouvoir de la modélisation de ces modèles qui sont soi-disant robustes ont des limites. Comment vous pouvez, avec vos outils et votre intelligence collective, arriver à prendre part de cet aléatoire, parce que par définition il est imprédictible? Alors, il y a plusieurs aspects. En fait, une petite précision d'ailleurs par rapport au Covid, ce qui était tout à fait imprédictible, c'est la nature précise du virus.
Par contre, de nombreux chercheurs en écologie ont bien prévenu avant, c'est mieux de prévoir avant, qu'une pandémie risquait d'arriver, étant donné que le nombre de maladies infectieuses émergentes apparaissant augmentait très vite, enfin, s'accélérait énormément. Alors, en fait, derrière la modélisation qui est pratiquée généralement, que ce soit en biologie ou en économie, et derrière l'idée de la calculabilité du monde, il y a un modèle qui est hérité de la physique, et de la physique en particulier newtonienne, mais pas que, et qui ignore l'histoire, et qui ignore notamment le fait que le vivant produise de la nouveauté, c'est-à-dire change ses manières de vivre, et le vivant humain produise des nouveautés, c'est-à-dire de nouveaux artefacts et de nouveaux savoirs par rapport à ces artefacts. Donc l'idée, par rapport à l'informatique notamment, ça va être de repenser l'informatique non pas comme simple calcul, mais comme articulation entre le calcul et l'incalculable, qui sont ces nouveautés. Et que sont, si on prend un tour plus psychologique, notamment le désir, qui est toujours quelque chose d'incalculable, que ce soit le désir d'un projet. Une manière de voir, d'ailleurs, la manière dont travaillait beaucoup Bernard, notamment en Seine-Saint-Denis, mais pas que d'ailleurs, et de voir que Bernard travaillait en essayant de produire des rêves rationnels. C'est-à-dire ce sont des rêves, d'abord, au sens où cela correspond à rien qui existe, mais non plus à rien qui devrait émerger logiquement de ce qui existe, contrairement aux équilibres, par exemple, traditionnels en économie, qui doivent émerger nécessairement. Mais rationnel au sens où on peut les faire exister. Ce qui n'est pas facile, ça demande énormément de travail, mais justement le travail c'est de faire émerger quelque chose, comme par exemple l'artiste fait émerger une œuvre d'art, mais travaille beaucoup pour la faire émerger. Et ça correspond typiquement à des choses qui sont absolument incalculables, et à la fois qui sont absolument nécessaires, parce que pour survivre, on va devoir bifurquer, et bifurquer c'est exactement ça. C'est s'éloigner de la dynamique sur laquelle on est et dont on sait tous qu'elle est mortifère, pour recréer une autre dynamique, mais qui ne va pas apparaître spontanément et qu'il va falloir justement travailler par les savoirs. Et travailler massivement, j'ai envie de dire. Il ne s'agit pas seulement de quelques chercheurs. Massivement et collectivement. Est-ce que... Votre réaction, Dominique Bourg, vous qui parliez de à quel point le vivant peut être prédictible et calculable, c'est sans doute aussi une question d'échelle. Vous parliez du nombre d'atomes dans l'univers, mais on sait bien que les lois de la physique qui régissent le vivant sont... Non, mais c'est l'inverse que j'ai dit. Hein. C'est-à-dire que précisément, on arrive à des chiffres, à une combinatoire aussi monstrueuse que même si vous aviez des ordinateurs quantiques, en les faisant fonctionner des milliers d'années, vous n'y arriveriez pas. C'est précisément l'inverse. Cela dit, une chose, juste moi pour finir, parce que je commence à être vraiment fatigué là aussi, si vous voulez, juste une chose pour finir de mon côté, c'est que, en fait, vous avez bien insisté sur le fait qu'on a un pas de temps qui est très serré. C'est ça aujourd'hui le problème. C'est qu'on n'a pas, si vous voulez, si on maintient le train qui est le nôtre pendant 10 ans, je ne dis pas que c'est la catastrophe. On est déjà dans une dynamique de catastrophe. Mais c'est des surcatastrophes. C'est-à-dire qu'en fait, on explose une augmentation de 2 degrés la température moyenne qu'on aura probablement atteint en 2040. Et si on l'explose, on ouvre une espèce de boîte de Pandore et on pourra arriver à un point où vous auriez une partie très importante de la surface terrestre qui, pour des raisons d'accumulation de chaleur et d'humidité, deviendrait inhabitable. Je ne vous parle même pas de production alimentaire. Donc, c'est ça le problème. Et ça, c'est 10 ans. Donc, moi, je veux bien qu'on réfléchisse sur les savoirs. C'est très important. Pour moi aussi, c'est vraiment très important. Mais l'urgence, c'est quels sont les leviers pour bouger fondamentalement, pour réduire les flux. Si on ne les réduit pas dans les 10 ans, eh bien, cette dynamique qui est en cours va tout simplement s'intensifier et s'accentuer. C'est ça le problème majeur.
Et celui-là, si vous voulez, à la fois, effectivement, il faut une approche complexe, mais en même temps, il faut un certain nombre d'instruments qui sont suffisamment puissants pour drainer derrière eux des changements systémiques. Le problème n'est pas simple, mais juste en deux mots, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire que, est-ce que le problème, c'est... Non mais, on va pas entamer la discussion à 11h du soir. Moi là, j'en peux plus, je vous dis tout de suite. Mais on peut discuter de ces instruments. Il y a les instruments carbone, je parle pas etc., des instruments. Ils sont vraiment importants. Oui, mais moi, je vous parle de ça. Je vous dis, dans l'urgence où on est aujourd'hui, on a besoin, alors après, comment on accorde certains de ces instruments, il peut y avoir un choix, hein, certains des instruments à une conception plus large du droit, de la société, de la politique, du sens, etc. Bien sûr, c'est une question fondamentale. Mais ce n'est pas une question de poule et d'œuf. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces instruments, bah, vous n'êtes pas dans le pas de temps. Vous ne savez pas de quoi j'allais parler. Pardon, j'allais parler de Trump, Modi et Bolsonaro, qui sont le fruit de l'informatique telle qu'elle est pratiquée actuellement. Là où il y a l'œuf et la poule, c'est que Trump, Modi et Bolsonaro ne sont pas intéressés, visiblement en tout cas, à agir. Donc c'est là qu'il y a l'œuf et la poule. Et derrière, il y a la question des savoirs, de la prolétarisation, des votants. C'est pas contradictoire, l'œuf et la poule, c'est pas contradictoire. L'œuf et la poule existent. On a bien compris qu'il y avait une mise en compréhension. Anne, peut-être ça va être l'heure de prendre quelques questions du public, s'il y en a. Non ? Bon alors, je propose tous qu'on aille se coucher. Merci encore à tous de votre participation et merci au festival.